Konnichiwa minasan, genki desu ka? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Genki genki. Bon, comme d'habitude, je dis Naruto, vous écrivez Naruto? Non! Vous mettez les mots Naruto dans les chats! Ça va? Genki genki. Naruto. Et on a Sakura et Sasuke, évidemment! Sinon, c'est pas drôle. J'ai fait des émotes! Alors, l'émote Sasuke est disponible pour l'abonnement de niveau 2 maintenant. Et Kakashi, il est disponible au niveau 3. Je dis ça, je dis rien. Mais on a Naruto, c'est déjà très bien. Ça va super, merci, merci. Ça va super, j'ai avancé sur mon mémoire. J'ai fait mon plan. J'ai réussi à plus ou moins mettre mon plan, enfin, à le rédiger, à savoir ce que j'avais à faire dans chaque partie. Donc, comment vous dire que je suis très contente et que cette journée a été une franche réussite. Du coup, bienvenue Angelaja. Yokoso, merci beaucoup pour le follow, pardon. Mayu, arigato. Mayu, si tu commences comme ça, je ne finis pas le cours. Voilà, je te le dis. Pour fêter ce début de cours. Merci beaucoup, c'est très gentil. Arigato. Voilà, on fait des clap-clap avec les mots. Clap-clap pour Mayu. Des clap-clap pour Angelaja, pour les follow. Merci beaucoup, merci, merci. Arigato. Elle commence déjà à bugger. Bah ouais, je dis photo au lieu de follow, bah c'est tout, hein. C'est pas ma faute, hein. On peut pas m'en vouloir. Les lunettes sont de retour. Ouais, j'ai mal à la tête. Les écrans, toute la journée, les cours ont repris, du coup voilà. Et bah, bobo tête, et donc pour limiter ça, je mets mes lunettes. Mais de base, elles sont cassées. De base, elles sont cassées au niveau. Là. Normalement, ils sont censés avoir les trucs pour coller au nez. Et ils y sont plus. Donc bon, tant pis. Je les mets que vraiment. Quand j'ai besoin, et là je peux pas du tout aller les faire réparer, donc bah, je fais avec. Ça se voit pas, mais moi après j'ai les marques, mais c'est pas très grave. Bon courage pour ton mémoire, tu vas y arriver. Arigato! Ça, je vais galérer pendant 2 ans, mais je vais y arriver, j'y crois aussi. J'y crois aussi. Bonjour Ludine, comment ça va? Super journée pour toi. Oui, non, je suis très contente. J'ai. Oh, bah aujourd'hui j'avais une. Comment dire? Pas un exposé, mais je devais dire à ma directrice de mémoire où j'en étais. Donc, ce qui m'a permis de mettre tous mes brouillons en fait en forme. Et voilà. Donc, on va commencer direct à boire. Oh, j'ai que ma limonade. J'ai pas à boire. Bon, bah, go boire de la limonade. Je suis désolée, j'ai pas retiré les trucs d'Halloween. J'ai oublié, donc j'ai pas de bonbons, j'ai pas à manger. Par contre, j'ai à boire. Il me reste la limonade de Halloween. Et Halloween, je m'excuse encore, même si vous avez dit arrêtez de t'excuser. Mais c'est. Ah, je vais peut-être décaler le live Halloween à cette semaine si j'arrive à faire fonctionner le jeu. Durant le week-end, peut-être que Phasmophobia va arriver. Mais il faudrait que j'arrive à faire fonctionner. Je sais toujours pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. 6 mois et toujours pas eu le temps de réparer les lunettes. Exactement. Exactement. Moi aussi, ça fait. Pas 6 mois, mais moi, ça fait longtemps qu'elles sont cassées aussi. Tu peux aller chez ton opticien pour les réparer. Ouais, mais j'ai pas le temps. Et mon opticien habituel, il est près de chez mes parents et je vais pas me déplacer. À 30 minutes, juste pour ça. Arrête de t'excuser. Oui, bah, un. Si je ne m'excuse pas, c'est que je ne sais pas qui en dit. Donc, bon. Je dois boire à beaucoup de gens, donc je vais boire. Faut pas que je prenne des grosses gorgées. Pourquoi j'ai fait ça? Je dois à Chania un petit dab. Alors, c'est de quel côté? C'est de ce côté-là. Je sais pas ce que c'était ce dab, mais on va dire que c'est un dab. Et du jour c'est toujours bon, même sans Halloween, exactement. Bon, du coup, aujourd'hui, on va commencer, comme d'habitude, le cours avec les katakana, avec un petit test. Est-ce que. J'ai vu un peu dans le chat que certains n'arrivent pas à les retenir. Persévérer, c'est une histoire d'entraînement intensif. Tout comme les hiragana, sauf que là, il faut aussi prendre en compte de ne pas se tromper avec des hiragana. Et c'est juste l'entraînement qui va vous permettre de passer ce stade de je n'arrive pas à les retenir. Vous inquiétez pas, c'est pas infaisable. Il faut juste pratiquer encore, tous les jours, 15 minutes minimum. Minimum. Pratique avec le pote. Il y a Pax qui est parti parce qu'il a cours de japonais. Mais il ne fait que ça et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Donc n'hésitez pas. S'il faut. Je vais essayer d'organiser des petits tournois, d'organiser ça, des petits tournois sur le Discord, un par semaine, katakana, hiragana, kanji si vous voulez.
Mais il faut y arriver. Il faut vous entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous verrez, après, ça va rentrer tout seul. J'espère qu'il y a de l'eau. Non, il n'y a plus d'eau. Mais c'est de la limonade sans sucre, heureusement. Heureusement. Sinon, quand on dit ça va finir comme toi, hein. So. Copie pas. Ne commence pas. Ça y est, ça va commencer dans les commentaires. Coucou Jojo, comment tu vas? Genki? J'ai fait un sans faute juste avant le live. On verra. Ganbatte, Shania-san. Ganbatte. Kudasai. Je révise pendant les pauses du travail. C'est top. Très bien. Regarde mon pouce en l'air. Très bien. très bien. Yankitai en retard. Je suis en retard. Daijoubu. On n'a pas encore commencé le test. Comme d'habitude, je blablate. Je prends des nouvelles de tout le monde. Donc, Daijoubu. Time ga aru. On a le time. Bon. T'inquiète, j'ai les antisèches. C'est faux. Et on va dire ça. C'est pas bien de tricher, mais c'est pas grave. Pas de pause au travail. Oh non, Titi, ça c'est dur. Coucou Polo Camp, Kambawa, Genki, tu vas bien? Idril, j'ai révisé ce matin et j'ai rien retenu. Ganbatte, Idril. Je répète, hein, c'est une question d'entraînement. C'est comme l'alphabet, quand on est gosse, ça rentre pas tout de suite. Mais à force de le voir, à force de l'écrire, il rentre. Et là, vous le connaissez, l'alphabet. Et ben les kana, donc hiragana, katakana, c'est la même chose. Il y en a juste plus, mais ça va rentrer. Promis, si vous faites ce que je dis, ça va rentrer. Il y en a, ça prend un peu plus de temps, mais ça va rentrer. Je répète, ça va rentrer. Daijoubu, shinpai shinaide, vous inquiétez pas. Je suis pas prête pour l'examen. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, allez, je pense que je vais pouvoir mettre du coup. Donc, comme d'habitude, exercice 1, c'est un exercice d'écriture. Exercice 2, exercice de lecture. Et je vais vous laisser le temps qu'il vous faut. Dès que vous avez fini, vous me le dites dans le chat. Et en attendant, je sais plus comment on dit en français, mais je... je comble le vide, c'est ça, je comble le vide. Trop de gens sub, on se croirait chez General Mas. Asoka, Sodeska. C'est vrai que General Mas, à chaque fois, c'est hallucinant. En même temps, le gars est trop sympa. Même moi, je sub à sa chaîne tellement il est cool. Alors que je ne suis pas de base intéressée par le fait de regarder les gens run sur des jeux. Hein. C'est pas trop mon délire, mais lui, il est cool. Donc je comprends pourquoi les gens ils sub, il est très sympa. Donc ça se comprend. Comme ça, je saurai quoi travailler. Asone. Ganbatte, Kalinos, ganbatte. Jojo, je meuble. Oui, voilà, je meuble. Je meuble, exactement. Je fais la commode. Est-ce que je fais bien la commode? Notez-moi cette blague sur 10, s'il vous plaît. Moi, je me mets 8. Je peux faire mieux, mais ça passe. Comblons le vide, exactement. Oh, Maïva, oh, coucou. Je buguais, je pensais pas que t'allais venir, mais merci beaucoup, Maeva Milk. Maeva. Ah, pourquoi j'arrive pas? Maeva Chan. Ya. Qui t'a connu? Arigato, je suis contente que tu viennes. Donc, Maeva et Milk, je l'ai connue grâce à Angélique, j'attendais un de ses lives. Et elle était hébergée sur Tokimeki, du coup, je l'ai suivie. Et du coup, voilà, j'aime bien ses vidéos, c'est chill. Donc, n'hésitez pas à la follow, voilà, petite recommandation. Hey, j'ai fait coucou au début pourtant. Oh, j'avais pas vu ton pseudo, Naruhodo. Bon, bah, je suis contente que je t'ai quand même vu. Hello, désolée, je vais pas juste faire un coucou, je vais pas pouvoir participer. J'ai pas live depuis 2 jours, le devoir m'appelle. Ah, ganbatte, Maxine, ganbatte. Bon live à toi, merci d'être passé. Est-ce que j'ai beaucoup trop rapide qui a déjà fini? Comment vas-tu, Maeva? Genki. Fini aussi. Arigato. Non mais n'hésitez pas le chat, Maeva, c'est bye. Enfin, je suis pas censée le dire quand elle est là, mais j'aime beaucoup ce que tu fais, Maeva, donc voilà. Fini. Waouh, quelle rapidité. Oh my god. Nandaro kore. Mina haya, hayasugi. Vous êtes tous trop rapides. Ça va, merci, je suis venue voir ton live pour le soutien. Merci beaucoup. Merci. Arigato. Attends, s'il te plaît. Oui, t'inquiète, j'attends. Je laisse au moins jusqu'à 41. Je laisse 5 minutes pour ceux qui ont besoin de plus de temps. Donc, daijoubu. Fini. Waouh, vous êtes trop rapide.
Elle fait des streams sur le lait. Non, mais Maeva Milk, elle aime bien les bubble tea. Comme moi, étrangement. Je suis tellement triste, le bubble tea juste à côté de chez moi, il est fermé. Je fais comment pour avoir ma consommation habituelle de bubble tea? Donc, c'est les normaux. D'accord. Les bubble tea, c'est ma vie. J'ai la carte de fidélité et tout. Genre, c'est. Ah! C'est trop bon, les bubble tea. Konbanwa minasan, tsu-chan, shashiburi, ça fait longtemps, genki. Milk, parce que la prononciation en japonais est cute, s'il vous plaît. Sans dédé. Milk, milk te. Maeva milk. Kawaii, ne? Kawaii. So. Je viens de commander le manuel. Oh! Arigato gozaimasu! Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah! Oh mon dieu, je suis submergée par trop de trucs positifs là. C'est quoi? Mario qui fait des bis, Maeva qui vient voir mon live, on achète le manuel. Mon dieu! Vous voulez m'achever? Mon cœur ne va pas tenir. Yaba! Oh, de qui? Yureshi! Yureshi! Yureshi nakedo. Sonna koto wa. Oh, c'est qu'il est d'accord. Ya. Yenaikoto. Genki desu ne? Aja yokatta. Moi j'ai commandé le manuel samedi. Ah, si tu l'as commandé samedi, alors soit je l'ai déposé dans une boîte samedi dans la journée. Je crois que je l'ai déposé samedi matin. Donc il a dû être pris en charge aujourd'hui. Et bah, de toute façon, tu as le numéro de suivi sur le site internet. Donc voilà, ça devrait pas tarder. D'ici demain ou après-demain, tu l'auras. Moi j'ai commandé le manuel. Le manuel est demandé pour Noël. Oh, trop bien. J'espère que tes parents diront oui. Moi j'ose pas écrire dessus. C'est une œuvre d'art, ton livre, Sensei. Vous êtes trop chou. Vous êtes beaucoup trop chou. Arigato. Comment ça, tu vends un manuel? Bah oui, j'ai fait un manuel qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui est dédié à la princesse des canas, voilà, Hiragana Katakana, et c'est mon objet d'étude pour le mémoire durant les 2 ans à venir, donc voilà, n'hésite pas à faire un petit tour sur le site internet. Je sais que tu les connais déjà, mais voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à la correction. Coucou All Snake, je passe dire bonjour et bon live, c'est gentil, merci beaucoup. Et bienvenue à toi, petit biscuit Yokoso. Merci beaucoup pour le follow. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé notre stream? Dis-nous tout, on est curieux ici. Bon, je vous montre la correction du coup. À play. Et donc, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de me dire le score, mais si vous le voulez, vous le pouvez. Et moi, ça me permet de savoir à peu près où tout le monde en est jusqu'à présent. J'imprime les feuilles du e-book au fur et à mesure perso plutôt que d'écrire sur le manuel. Ah, ça on est. C'est vrai que le e-book, c'est super pratique pour ça. C'est très pratique. Moi, je sais que j'aime bien les manuels, donc à chaque fois que je dois acheter un manuel, j'achète en papier. Mais quand il y a du traçage, c'est super pratique le e-book. Exactement. Bye bye, All Snake. Matane. Kite kurete arigato. J'ai tellement révisé les hiragana que les katana ont eu du mal à sortir. Oui, switcher au début, c'est compliqué, c'est ce que je disais. Mais daijoubu, shinpai shinai de. Ça va rentrer, ça va rentrer, je vous promets, ça va rentrer. Il faut juste pratiquer. Et après, vous allez voir qu'avec les lives de lecture, ça va aussi beaucoup vous aider. Je vous invite grandement, dès qu'on reprend les lives de traduction et de lecture, à y participer, ne serait-ce qu'une fois sur 3 pour faire retourner un peu tout le monde, pour ceux qui ont envie tout du moins. Mais lire des textes, ça va aussi grandement vous aider parce que ça va vous mettre dans un contexte concret de comment on utilise ces canas, pas juste syllabe par syllabe. Je vous montre des mots, je vous montre des phrases, mais un texte complet, c'est vrai que ça aide beaucoup. Hein. Pas fait sur 20, merci Haruke. 16, 17, 16. Alors Charlie qui lui a un 5, ganbatte, c'est presque la moyenne. Ganbare. Là ça va, on a vu 2/3 des canas, donc t'as encore le temps de pouvoir bien revoir tout ça. Mon petit point fait, c'est que je suis trop fort. そうですね、ハッスリーもすごく強い人ですね。そう、みんなそんなことしてるね。おー、ラシェル、alors Rachel, j'imagine, du coup, Rachel さん、merci beaucoup! ああ、mais vous êtes fous aujourd'hui! Merci pour l'abonnement! ありがとう登録してくれてありがとうございます本当に merci beaucoup! Merci! わー、すごいわー、merci! Ça y est, on m'a fait bugger. Merci beaucoup. Au cas où, je le répète, merci. Merci. Sinon, je vois que les tests sont plutôt cool.
une faute sur le dakuten de ze. Ah, naruhodo. Égalité avec Yukimi. Je suis déçue. Bah alors, tu n'étais pas la personne la plus forte du monde. Est-ce qu'on va apprendre aussi quelques kanji? Alors oui, Jessica, les kanji, c'est prévu pour après les kanas. Donc, d'ici deux semaines, dans deux semaines, on commence la grammaire. Et dans chaque cours de grammaire, je vous apprendrai, je ne sais pas encore combien de kanji. Peut-être, on va commencer par deux, entre deux et cinq kanji par séance, mais ça fait beaucoup. Hein. Ça fait vraiment beaucoup. Donc, peut-être deux par semaine, sachant que je vais vraiment vous apprendre et que vous, de votre côté, vous pouvez les apprendre également. Mais on va commencer tout doucement. Parce que tout le monde sinon ne va pas sûr, ça va être compliqué. Mais oui, il y aura des kanji. Bienvenue à Cocon Bizarre Adventure. Yokoso, merci beaucoup pour le follow. C'est super. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé notre chaîne? Dis-nous tout. Si tu as des questions en japonais, n'hésite pas. Bon, 15, 11, super. Par contre, je trouve difficile de mémoriser les katakana qui ressemblent au sourire. Ah, il faut que je vous remontre l'image en question, parce que visualiser les lignes, la shin est à gauche, donc shi et on, le trait est à gauche, les autres sont en haut, et si vous visualisez la ligne, je vous promets, et je pense que vous avez dû vous en rendre compte, qu'on voit la différence, on la voit à 1 milliard de %, vraiment, vraiment, vraiment. Je connais déjà le kanji de 1, du 2 et du 3, un trait, deux traits, trois traits, horizontal. Mais tu connais trois kanji. Alors après, il faut connaître les lectures. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est déjà très bien. L'ordre des traits pour shi et tsu, sone, ça a changé ma vie. Bah oui. Bah oui, il faut suivre le trait. Soso. Je connais quelques kanji à force de les lire. Ah, omedeto. Omedeto. La chine et la ligne horizontale. Tout à fait. Exactement. Bon, 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 sugoi. Très, très bien, tout le monde. Félicitations. Ine. Coucou, Leile-san. Genki. Comment tu vas? Alors, je suis français, j'ai 14 ans, et mon magnifique métier plus tard sera chômeur. Non, je plaisante, voyons donc. Waouh! Azume, t'as de la concurrence sur le niveau des vannes. Inquiète-toi, inquiète-toi, il y a l'air d'avoir du level. Bienvenue à toi. Je vais t'appeler Ako. Ako-san, ça sera plus simple parce qu'il est long ton pseudo, donc Ako-san. Nishimasho. Chōgenkitsu. Wa, oralu poi ne, kore. Chōgenkitsu. Faut faire avec cet accent, ça marche mieux. Moi, j'arrive pas à faire les accents de personnes badass. Je peux pas, je suis pas crédible. C'est pas possible. Oh non. Moi, en regardant Candy faire ses cuisses sur le Discord. Ben oui. Mais mon objectif, c'est d'avoir 100% sur les 5 niveaux. Donc le N2, N1, j'ai avoir du mal. Là, je suis le N4, ça va être easy. N3, je pense qu'il y a quelques mots que je ne connais pas. Mais mon objectif, c'est ça, hein, faire 100% sur les 5. Hein. Il faut que j'y arrive. Oh non. T'as mal dit disciple. Soka, soka. OMG, il reste 3 heures pour les diabètes. Allons-y. C'est vrai. Non, il est fini, je crois, le... Je crois qu'il est fini le truc. Mais non, tu l'es fait trop bien. Ah, son cas. Il y a. Muri, muri. Muri des. Dekinai koto des. Dekinai koto des. C'est des choses que je ne sais pas faire, malheureusement. Ah, le jour où je serai crédible en descendant d'être badass, ça sera beau. Ça sera beau. Bon, allez, on va commencer pour aujourd'hui, du coup. Donc, je vous ai pas mis le récap. Le récap, je le mettrai jeudi sur les syllabes simples, les syllabes dérivées. Mais, si je vous le fais à l'oral, on a vu A, I, U et O, Kakikukeko et les dérivés en G, Gagigugeko, Sashisuseso plus dérivé en Z, Za, Di, Zu, Ze, Zo, les T, Tachitsuteto, dérivé en D, Da, Di, Zu, De, Do, les N, Naninu, Neno, les H, Hahifu Heho, avec les dérivés en B, Babi Bubebo, et en P, Papi Pupepo. Et du coup, là, on arrive sur les dernières lignes. Donc, on va commencer avec en M, Mamimu Memo. Alors, quelqu'un pourrait m'aider parce que l'un des seuls mots que je connais est Nani, et Omae wa mo shindeiru. Si ça s'écrit bien comme ça. Sone, sone. Ma, ganbatte. Ici, t'inquiète pas. Tout le monde. Et on va dire qu'on s'aide tous. Moi, je suis là pour, si tu as des questions précises, c'est vrai que dit comme ça, je peux pas trop t'aider. Mais les cours sont faits pour ça. Actuellement, on est en train de... Comment dire? De travailler les kanas. Donc, c'est les deux premiers syllabaires japonais. Et...
on est dans le deuxième, katakana. C'est-à-dire que le premier a déjà été étudié, mais il est disponible en replay sur la chaîne Twitch. Donc si tu veux commencer, je te conseille, donc tu peux suivre le cours d'aujourd'hui, hein, aucun souci, prendre des notes, poser des questions si tu en as. Là, on apprend les syllabes japonaises. Il y en a deux de manières, on apprend la deuxième façon. Et sinon, il y a les hiragana qui ont été vus avant et les deux premiers cours sur les katakana. Caleb, je bois ta santé et je vais lire le petit roman de Petit Biscuit. Je me disais un peu Petit Biscuit, il n'a pas répondu. Mais si, elle faisait juste un pavé. Alors salut, je passais par là et j'adore l'univers japonais, la culture, les mangas, la bouffe, les villes, les paysages, la langue, etc. etc. Et ça fait 5 minutes que je suis là et franchement, ici ça a l'air hyper sympa, la commune est trop bien. Le fait que tu enseignes le japonais à ton compte, je trouve ça incroyable. Concernant, je suis un français de 15 ans, je commence à apprendre le japonais, mais je suis vraiment novice et je t'ai trouvé en cherchant dans la catégorie discussion. Ah bah trop bien. Et bah écoute, bienvenue à toi, j'espère que tu trouveras la petite place parmi nous, voilà. N'hésite pas si tu as des questions, hein, je suis là pour ça, donc... Et t'inquiète pas pour les pavés, j'adore ça, j'en écris beaucoup. Non, moi je fais l'inverse, j'écris des phrases et je fais des suspens. Quand ça, ils sont en mode, oh, qu'est-ce qu'elle va dire. Ça c'est ma spécialité sur Twitch, c'est beaucoup trop drôle de faire ça. Tiens, dis rappel, faut mettre les lives sur YouTube, sonnez, parce que sinon ils vont disparaître dans le néant. Il faut que je le fasse. So, arigato. Et du coup, je bois à ta santé, Charlie. Arigato gozaimasu, kanpai. Kanpai. Bon, allez, on commence. Prenez tous de quoi écrire si ce n'est pas encore fait. Oh mon dieu, on est plus de 50 élèves. Bonjour tout le monde. Coucou. Voilà, sur ce petit coup de pression qui vient d'apparaître, on commence la première ligne, la ligne des M, donc Mamimumemo. Donc comme d'habitude, je vous montre comment s'y se trace, je vous dis s'il y a des choses à faire attention. Là, rien de particulier, on est sur du deux traits, donc un trait et le deuxième. On commence de manière horizontale pour revenir avec un angle assez, voilà, anguleux, si je puis dire, vers la gauche. Et juste devant ce trait, on fait le deuxième, une genre de grosse virgule, juste devant. Ah là là, la gêne, bah, tout tourné. Nanka, sensei toshite, en tant que professeur, hazukashi, c'est gênant. Nanka, chotto, shy dakedo, je suis un peu timide des fois. Et ah, il y en a vous, ça va, ceux qui parlaient dans le chat actuellement, je vous connais. Mais je me dis, il y a 50 personnes dedans, il y en a peut-être... un tiers qui ne me connaissent absolument pas et qui sont en mode « Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là » Et je suis en mode « Candy, tu dis pas de conneries ? On va éviter. » On est en amphi trop bien, exactement. Attends, les fautes arrivent. Non, j'ai fait attention aujourd'hui, il n'est pas censé avoir de fautes. Même dans le quiz, il n'est pas censé avoir de fautes. Alors quoi ? J'ai préparé ce matin, j'étais en forme, je m'étais réveillée, je me montais. Donc, daijoubu. Et là, première fois que je viens sur ce tuto après avoir suivi ton compte Insta, j'ai 32 ans, bientôt 33, mariée, un enfant, et j'apprends le japonais dans le but d'y retourner dans quelques années en famille en dehors des grandes villes. Je suis allée l'année dernière lors de mon voyage de noces. Ah, ça c'est trop bien, ça c'est trop génial. Et ne connais absolument rien au Japon depuis, je suis en kiff sur ce pays. Tu m'étonnes, dès qu'on y va, on veut toujours y retourner. Je connais déjà les kana, j'imagine, et je sais quelques phrases simples. Bah écoute, bienvenue à toi, je suis très contente. De voir parmi nous. Si tu as des questions, n'hésite pas. Donc si tu les connais déjà, ce sera des grosses séances de révision pour toi. Mais je suis très heureuse de t'accueillir. Comme tous les nouveaux, tous ceux qui ne follow pas forcément et qui passent par hasard, ben, bienvenue à vous. Faut une émote kanpai. Ah ! Exactement, merci. Notez-la, envoyez-moi un MP sur Discord, sinon je vais oublier. Mais oui, il faut... Mais oui, bah oui. C'est pas une bouteille qu'il faut, c'est un kanpai qu'il faut. Bon, voilà, je suis très heureuse de tous vous accueillir et je suis très honorée que vous suiviez les cours de japonais avec moi. En tant que professeur, c'est un honneur. Donc je vous remonte une dernière fois, on commence de manière horizontale, on descend vers la gauche et le deuxième trait c'est une sorte de grosse goutte qui démarre d'en haut et redescend vers le bas. On passe au suivant, le mi. Mi ici, pas de choses particulières à vous dire. Vous avez trois traits, trois grosses gouttes, plus ou moins. Et on commence du haut pour descendre vers le bas. Une, deux et trois. Une, deux, trois. Vous avez qu'à retenir que do, ré, mi, c'est la troisième note du piano. Un, deux, trois. Je sais pas, je propose ça. Faites ce que vous en voulez.
Du coup, il y en aura deux fois plus que d'habitude. Son nez, son son son. C'est beau de rêver. Pourquoi et qu'est-ce qu'il a dit encore SGM? Pourtant, c'est déjà arrivé. L'honneur est pour nous. Apprenons le japonais pour la peine. Oh! Mayu, t'es trop gentil! Oh, merci beaucoup! Arigato! Et nanka, itsumo, sonakoto shite. Ya, arigato, merci beaucoup! Ah! Je sais pas quoi dire d'autre! Vraiment, à part vous remercier, je sais pas quoi faire d'autre. Vous êtes beaucoup trop gentil! Merci, 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 arigato! Hontoni! Hontoni, arigato gozaimasu! Arigato! Arrête, tu vas la faire pleurer. Ya, ça va, j'ai récupéré depuis samedi dernier. Émotionnellement, je ne suis plus aussi instable. Du coup, là, ça va. J'ai réussi à faire mon plan mémoire, ça m'a reboosté de fou. Donc, je suis plus très sensible comparé à ce week-end. Mais ça m'émeut toujours autant. Par contre, qu'on m'offre des beats et qu'on s'abonne et qu'on follow, je suis très très contente. Merci. J'avoue, on fait pas pleurer Senpai. Ah non, hein. Ah non, non, non. Hein. C'est chouette qu'il y ait un dit ya, arigato. Ah, ancien. Vous arrêtez, oui. Allez, je vous remonte une dernière fois le mi. Donc, troisième note du piano. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà, 3 gouttes. 3 touches, si vous voulez. C'est un moyen un peu plus mémotechnique, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Le suivant, c'est le mu. Et là, il faut faire attention avec le ma. C'est un ma inversé, plus ou moins. Oh, merci beaucoup, Brett. Bienvenue à toi, Yokoso. Follow, shite kurete, arigato, merci pour ton follow. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment tu trouvais la chaîne? Dis-nous tout. Et si tu as des questions, n'hésite pas. On en a pas non plus. C'est vrai, ça va, ça va, ça va. SGM qui a voulu refoutre Manuel. Hé, il y a un temps d'attente, hein. STP. Il y a pas. Donc le mou, faites bien attention. On démarre du haut. Donc là, on fait l'inverse. On démarre du haut pour descendre. Et c'est ensuite que vient le trait vertical. Et à partir de ce trait, on fait une goutte. Hein, voilà. Et on a mu. Kore wa mu desu. C'est bon maintenant. Je vais le mettre plus grand le délai. Je vais le mettre plus grand. Oh non. Ya, lesa nani. Nani aru. Pourquoi tu dis que tu niques l'ambiance? Doste, doste, nani. Ça fait un grand 4. Parce que vous pensez à ça, j'arrive pas à le dessiner. Si tu le dis, je te crois. Si tu le dis, je te crois. Je n'ai pas cette image-là en tête, mais oui. Du coup, on commence vers le haut pour descendre légèrement vers la gauche. Puis on fait le trait horizontal. Et enfin, on fait la goutte. À l'inverse de ma, ou ma, on fait d'abord le trait horizontal. On descend et on fait la goutte. D'accord ? Je vous le remonte. Donc on démarre du haut pour descendre vers la gauche, très horizontal et la goutte. Je suis allée chercher le manuel quand tu l'as déposé sur l'île, j'ai commencé et je le trouve super bien. Oh, naruhodo ! Ben merci, ben je suis contente. C'est le but ! Objectif réussi ! Ah ben génial ! Donc t'as été sur à Mangadoka, j'imagine, parce que la première fournée est partie en une semaine, j'ai rien compris. Là j'en ai redéposé une vingtaine pour être sûre pendant le confinement vu qu'il fait du click and collect, mais ben, je suis très contente. Trop trop bien. Caleb doit partir. Oh non, matane, kite kurete, arigato, merci d'être passé. On dirait l'ombre d'une pelle. J'ai pas vos images, je suis désolée, je vous crois sur parole que vous voyez ça, mais moi je le vois pas. Gomenasai, gomenasai. Allez, on continue. Mais pareil, pas de choses spécifiques à vous dire. On est sur du deux traits, c'est une croix penchée. Donc, on commence par le grand trait, légèrement courbé, hein, vraiment, c'est légèrement. Et le deuxième, pareil, il est courbé vers l'intérieur et coupe en deux. D'accord ? Un manga d'okaze. So, naruhodo, naruhodo. Manga d'okaze qui, au passage, que je salue, parce que c'est le bro. Il est génial, j'ai rien d'autre à dire. Parmi toutes les librairies où je dépose mes livres, c'est celui qui ne me prend aucune taxe, qui m'a dit, bah non, tout ce que je vends, c'est pour toi, et je trouve ça incroyablement généreux de sa part, sachant dans quel monde nous vivons actuellement. Donc je l'en remercie infiniment, donc n'hésitez pas, si vous êtes sur l'île et que vous voulez le manuel, manga d'occasion. N'hésitez pas.
Pareil, vous verrez si vous n'y avez jamais été, mais ça m'étonnerait hein, quand on est otaku, enfin qu'on aime bien le Japon et qu'on achète des mangas, c'est rare qu'on ne connaisse pas manga d'occasion. C'est très rare. Bon, je vous remonte, mais du coup, on commence avec le grand trait qui est légèrement penché, hein. Oh mince. Et moi, c'est pas très joli ce que je fais. Donc, premier trait, hop, et le deuxième, c'est au milieu, il est légèrement penché, enfin, arqué vers l'intérieur. Ancien qui ne connaît pas, oui, mais t'es pas du Nord, t'es de Paris. D'accord, l'année? C'est pour ça. C'est pour ça. Hop, le deuxième trait. Je vous remonte une dernière fois. On commence par le plus grand trait et le deuxième qui coupe pour faire une croix légèrement penchée. Ou un poignard, et là j'ai totalement l'image. J'ai totalement l'image. Mon poignard est horrible. Mon poignard, il fait peur à personne. Quand je vous l'ai dit que j'étais pas crédible. Le pauvre, il est de Paris. Non, pas le pauvre, il a plus de trucs que nous, c'est fou. Il y a Junko, déjà, rien que ça, j'aimerais tellement avoir ça à Lille. Mais non, 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 on n'a pas d'ouvrage japonais. Tous mes manuels que je vais acheter, ah, je peux pas. Tous les romans japonais que j'aimerais consommer, je ne peux pas. Parce que j'habite pas à Paris. Mais je veux jamais habiter à Paris, donc bon, tant pis. Oh non. C'est la feuille de Konoha. Exactement. Exactement. Quel mur, c'est ce que je me disais, Anna Lurodo. Enfin voilà, on continue du coup. Le dernier, ici le mot. On commence avec un égal. Hop, égal. Et le troisième trait comme part du tout premier pour couper le deuxième et, comment dire, courber vers la droite. Il y a VO à Lille, si ça existe encore. Oui. Ils ont déménagé. Et c'est vrai que eux ont un rayon japonais, mais j'y suis allée pour déposer quelques manuels justement, et il est très petit maintenant, et la plupart des œuvres sont traduites, et il y en a en japonais, mais elles m'intéressent pas. Malheureusement, elles ne m'intéressent pas. Donc, je vous dis tous bonne nuit, je m'en vais, beaucoup mal à la tête. Oh non, fallait pas regarder la live de Jojo sans lunettes. J'ai déjà la liste des takana, donc j'irai les apprendre pendant la semaine. Bon cours à tous, arigato, matane. Et du coup, bah, je bois à ta santé, Charlie, kanpai. Kanpai ne. Et à Paris, ils ont un supplément gilet jaune. Quoi? J'ai pas la ref. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Oui, pareil, j'ai juste chopé un manuel là-bas, Naruhodo. Ça ressemble un peu au mot en hiragana. So. Ça ressemble, oui. Sauf que le mot en hiragana, il dépasse. Je peux pas le faire, je sais pas pourquoi. Il dépasse. Oh putain, il est horrible. I dépasse. Alors que là, il ne dépasse pas. D'accord? Jane, Charlie-san, Jane. Me reste plus qu'à faire le montage. Ah, Ganbate Kalinours. Ganbate. N'hésite pas à mettre ta vidéo quand elle sera finie sur le Discord. Hein. Je le sais. Donc voilà. Ça va pour vous? Donc là, on a vu ma, mi, me, mais, mo. Et si ça va, on va passer au quiz. Quiz qui va, comme la dernière fois, se passer sur Quizlet. Donc là, ça va, c'est des petites séries de 5. Ça devrait être plutôt rapidos. Alors, on va le lancer, ça sera plus simple. Hop. Donc, je réexplique pour les nouveaux. Vous allez avoir, si vous êtes sur PC, sur ma vidéo, un genre de pop-up qui va apparaître pour le quiz. Et pour téléphone, ça va être dans le chat. Je vais commencer. Vous avez 15 secondes pour répondre à une question que je dirai également à l'oral. Et la personne qui est la plus rapide, enfin, plus on est rapide, plus on gagne de points. Le but étant de ne pas se tromper, sinon on perd des points. Ou de ne pas répondre pour éviter de perdre des points. Ou de répondre le plus rapidement pour avoir le plus de points possible. Et Maïeux nous a fait un magnifique tuto de cette application sur Discord. Donc si vous, là, vous galérez, pour le live prochain, que si vous êtes là, n'hésitez pas à regarder ce tuto. Il est dans les annonces, épinglé normalement. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Donc là, je vais lancer le quiz, on va voir ça. Hop.
Alors, et si on est novice en japonais? Bah écoute, petit biscuit, là, je ne pose... Enfin, c'est un quiz que sur ce qui vient d'être vu. Donc, normalement, si tu as pris des notes, si tu as bien écouté, il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir faire ce quiz sans problème. Donc là, toutes les règles sont en train de vous être envoyées. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste pour vous expliquer ce que je vous ai dit juste avant. Justine, comme je n'étais pas là jeudi dernier, on ne différencie pas he en katakana. Alors non, le he, visuellement, il n'y a aucune différence. Hein. Après, évidemment, tu vas le voir si ton mot est en katakana, c'est que ce sera un katakana. Si ta phrase, il y a encore des kanji, des hiragana, ce sera des hiragana, mais visuellement, c'est la même chose. Hein. Moi, je ne vois pas de différence. Comme si des gens écoutaient, mais t'es pas gentil, t'es pas gentil. Bon, je pense que tout le monde a vu les règles, du coup, je commence le quiz. Première question, lequel de ces katakana correspond à la syllabe ma? Et donc là, vous devez cliquer le plus rapidement sur la réponse que vous pensez être correcte. Janet, petit biscuit, merci d'être venu, à la prochaine. Il y a tout le monde qui met lol. LOL MDR XPDDR. Kendi, il n'y a plus le parler japonais? Non. Plus maintenant, plus pour les katakana. Un vrai petit couple, cela. Exactement. Donc là, j'attends. Waiting for player. Je montre la réponse. Et beaucoup de gens ont. Bon, il n'y a que deux petites personnes qui n'ont pas eu bon, qui ont mis le mais. Mais sinon, c'est très bien. Oh, Kochi, yokozo. Follow shite kurete arigato. Merci beaucoup pour le follow. Et Kochi wa ano Twitch no Kochi desu ka? Ano Watch Dog no Kochi desu ka? Je suis un youtubeur japonais qui s'appelle Kochi et je crois que c'est lui mais je suis pas sûre. Kochi janai yo ne? Je sais plus, j'ai un doute. Bon, question suivante. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe mi? Doti desu ka? T'as de la chance qu'il n'y a pas le Just Dance. Mais je l'ai retiré, je peux plus faire de Just Dance où je suis. Avec le lit, ben, vous voyez mes bras bouger, mais c'est pas très très intéressant. Bienvenue à toi, Kochi, du coup. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé la chaîne? Si tu n'es pas le Kochi auquel je pense... Jado desu ka, minasan? Est-ce que vous avez la bonne réponse? Waiting for player. J'ai pas de bonbons, j'ai oublié de retirer, j'ai plus de bonbons. Oh, bien joué tout le monde. Alors, il y en a trois, ils ont fait l'une des trois. Et sinon, la majorité des gens sur le chat ont eu très bon. Félicitations, bien joué. On n'est pas dans ta tête, Sensei. Pourquoi? Bah non, je sais que vous n'êtes pas dans ma tête. So, mi desu. So, ne? Angela Jia-san. Mi desu. Jatsugi, question suivante. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe mu? Dochi desu ka? Shitemasu ka? Dochi, dochi. Shitemasuka. Malé quoi, c'est du niveau Dark Soul. Pas du tout. Pas du tout. Ya, zenzen. Sonna ni muzukashiku nai nanka. Nani ka katteta nara. Non, ça se dit pas. Si vous avez écrit quelque chose, si vous l'avez écrit, c'est pas très compliqué. Ah, naruhodo kalinos. D'accord, j'ai compris. Haha, you die. Mais non. Ben non. Donc, c'était celui-là, vous le voyez à l'écran. Et pareil, un très grand nombre de personnes, la majorité, à 95%, je pense, du coup, 95% ont répondu juste. Bien joué, tout le monde, on met des temps. Clap, clap, clap. Alors, on va passer, s'ils le veulent bien, à la quatrième question. Hayaku shite, kono quiz kit.
Kiandi, c'est JLPT4? Non, 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 c'est JLPT5, c'est les canas. Allez, question suivante. Quelle est la lecture du katakana? Est-ce que c'est ma, me, mo ou mi? Aïe, coup dur pour moi. Ganbare, ganbare, ako-san. Ako-san, ako-san, gomenasai. Ako-san. じゃあ皆さんどうだろうどうだろう大丈夫かな On attend la réponse. Je sais pas pourquoi il est aussi long. C'est dommage, mais... Et en même temps, je pense que pour vous, vous faire réviser, c'est beaucoup mieux cette application que ce qu'on faisait avant, mais... Ah, daijoubu. Montrez la réponse. Oh, presque imperfect. Bien joué, bien joué. Fais-moi d'abé, évidemment. Ah. Le temps que la réponse envoie au joueur, moi ça me va. Hayaku, hayaku, vite, 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 vite. Hayaku, hayaku. Hayaku, shite kudasai. Question suivante. Quelle est la lecture du katakana? Est-ce que c'est mo, me, ma ou me? Dochi desu ka? Ouvre les yeux, S Dream. Pourquoi? On voit rien. Ah, nalihodo. Je me suis encore trompée. Ganbatte, Ako-san! Ganbatte, courage! Tu peux le faire. Ah oui, c'est mieux, merci. Eh, Mayu a la réponse à beaucoup de choses. Ja, dodaro, minasan. Mo, mo, t'es ça. Oh, j'ai réussi à cliquer en moins d'une seconde. Omedeto, c'est vrai, c'est barashi. Riddle Hunter. Oh, presque à son faute également. GG Mayu, exactement. Bien joué tout le monde. Bah, je vois que dans la majorité, le quiz est réussi. C'est très très bien, félicitations. Clap, clap, clap pour le chat. Clap, clap, clap pour le chat. On va faire des clap, clap, clap. Ils sont les clap, clap, clap. J'ai déverrouillé des trucs, c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai des Pikachu? Pourquoi j'ai ça? Je voulais faire les clap-clap, mais je trouve pas mes clap-clap. Ils sont là. Clap-clap-clap pour le chat. Hop, et du coup, on va voir qui est le grand gagnant. Wow, oh, c'est tellement serré. Entre Henkitai et Mayu. Waouh. Il y a un peu plus, 700, mais c'est rien du tout. On met des temps. Clap, clap, clap. Les émotes ne fonctionnent pas chez moi. Quoi? Oh non, mais pourquoi? Omedeto, minasan. Omedeto, bien joué. Je suis bien contente d'être ici. Omedeto, clap, clap, clap. Bien joué tout le monde. Bien joué, Yankitai. Et bien joué, Mayu, pour être à si peu de points. Ça veut dire que vous avez eu tout bon, je pense. Comme Destiny et Idril, mais que... Yankitai a juste été plus rapide. J'ai joué ma vie. je m'en doute. Ah, alors, il faut... Comment j'avais fait ça? Essayez de refresh votre page. Est-ce que quand vous êtes abonné, le message, il s'est abonné sur le chat? J'ai eu ce problème-là avec le dit youtubeur japonais... Enfin, non. Le dit japonais qui est sur Twitch, que je suis actuellement. Au début, je ne pouvais pas cliquer sur les émotes. Et j'ai refresh les pages et ça a fonctionné. Donc, c'est cette émote là en plus, elle est trop cute. Elle est beaucoup trop cute. Mais bon, voilà. Clap, 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 clap. Je suis encore dixième, j'ai zéro faute, mais je mets 4 à 5 secondes à répondre. Bah oui, c'est le but. Comme un puceau prépubère sur LOL. Yes. Yes, yes, yes. Bonjour, je vois que je suis en retard. Ah, konnichiwa, konbawa, Kiki-san. On a fait la première ligne. On vient de finir le premier test, donc ne t'inquiète pas, c'est pas très grave. Daijoubu, daijoubu. Ah, naruhodo, Shania-san, c'est parce que tu n'étais pas sub. Merci beaucoup, du coup, pour le resub. Arigato gozaimasu, Anthony. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Mais oui, du coup, les émotes sont bloquées pour ceux qui ne sont pas sables, c'est logique. Naruhodo. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Et donc, tu vas avoir ton badge de shuriken qui va changer de couleur normalement. Ça suit les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Donc on est sur violet, bleu, vert, ensuite on est sur du jaune, orange et rouge. Rouge, c'est pour un an. Je sais que ceux qui sont en rouge, ça fait un an. Là, je crois que le maximum, ça peut être 6 mois. Donc, voilà. En jaune. Il y en a quelques-uns qui doivent être en jaune. So. Bonjour, je suis nouvelle. Coucou, Koti. Donc, du coup, je t'ai confondu avec quelqu'un. Mais l'autre youtubeur s'appelle Koti aussi, c'est pour ça. Youtubeur, non, il est sur Twitch. Comment vas-tu? Merci à toi pour le follow, du coup. C'est le resub automatique, mais ça se fêtait... Ça ne s'était pas affiché. Ah, naruhodo. Arigato gozaimasu. Bon live, je pars. Je suis en train de cuisiner un bon curry. Oh non, je peux venir? C'est pas grave, c'est le confinement, tu sais. Je prends le train. Hop, je quitte le stream. Ah, oh, curry, ça fait trop longtemps. C'est quoi le cours de Koti? Je veux voir qui c'est. Attends, je te mets les émotes. Normalement, tu peux cliquer dessus. Et il est très sympa. Il prend le temps de parler et tout. Il y a peu de monde qui le suivent. Du coup, c'est cool pour pratiquer, mais très gentil, très gentil. J'allais dire Itadakima, ça ne se dit pas du tout. Bon appétit à toi, du coup. Petite livraison, ah, exactement, exactement. So. Merci encore, Shania, pour le resub. Merci beaucoup. Idril, c'est parce que tu n'es pas abonné à la chaîne. C'est pour ça, tu n'as pas d'émotes à côté de toi, du coup, tu ne peux pas utiliser les émotes spéciales. Gomenasai, désolé. C'est pour ça que si c'est verrouillé, c'est parce que vous n'avez pas d'abonnement à la chaîne. Je parle à vous, tous ceux qui sont abonnés ou qui ont déjà abonné, du coup. Bon appétit, Haruki. Bon, allez, nous, on continue, du coup. Hop, sur la ligne des R. Lalilulelo, lalilulelo. Alors, le là, c'est assez simple. Hein. On commence avec un égal, sauf que le deuxième trait du égal va... descendre vers la gauche, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Le là, on commence avec un égal. Le deuxième trait descend vers la gauche. Elle est pas sub, sinon il y aurait le petit badge à côté. Bah oui, sinon il y aurait le petit shuriken. Ah bah non, j'ai pas pris d'abonnement. Et arigato pour le compte de Koti. De rien. Tu verras, il stream tous les jours. Très sympa. Là, il est sur Watch Dog en ce moment. Je l'ai connu, il était sur Fall Guys. Donc voilà. Donc si je fais un curry et un feu dans la poêle, j'ai le droit à une visite de Sensei. Cool. Exactement. J'arrive tout de suite, je réplique. Hein. Moi, vous m'invitez à passer un week-end et manger du curry. J'arrive. Hein. Je suis pas si difficile. avec un trait au-dessus. C'est fou. So. C'est fou avec un trait au-dessus. So. Esjum. Kanpeki desu. Je vous le remonte une dernière fois. Hop, un égal. Et le deuxième trait, c'est le feu. Curry, ramène ce week-end. J'arrive. J'arrive. J'ai juste follow. Non mais t'inquiète pas. Follow, moi ça me convient énormément et ça me touche autant. C'est juste que malheureusement, du coup, tu peux pas utiliser les émotes. Et bon, voilà, désolé. Il y a toujours le premier trait. Oui, toujours. Perso, je dois tester les omelettes ce soir, je pense. Ah, les omelettes, j'adore ça. J'ai mangé mon meilleur omelettes à Miyajima. Oh, Kiki. Oh, pour m'excuser de mon retard, Sensei, et surtout pour bien commencer le nouveau mois. Arigato. Oh, merci beaucoup, Kiki-san. Mayu, Kiki-san, vous êtes fous. À chaque fois, vous donnez plein de bits. Merci. Merci beaucoup. Arigato. Arigato gozaimasu. Je mérite tellement pas tout ça. Vous êtes beaucoup trop adorables. C'est fou. Oh non. Après, tu peux baisser le coup en point pour débloquer les émotes. Ah, ça, on est... Oh, ah, ancien est beaucoup trop gentil. Bah du coup, Idril, tu vas pouvoir utiliser les émotes. Merci beaucoup, ancien. C'est super gentil. Merci pour Idril. Arigato. Et du coup, le train de la hype est mis en marche. Vous êtes fous. Je vous aime. Pour toi, je peux faire une livraison. Oh oui, s'il te plaît. Waouh. Et du coup, voilà, petit shuriken violet qui vient d'apparaître. Waouh, arigato. Arigato. Waouh, choquée desu. Allez. Mario-san, y'a pété. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Oh, merci. La hype.
raquette avec les petits poulpes, ils sont trop choux. J'attends toujours la raclette perso. Ah, une bonne petite raclette. Arigato, merci beaucoup. Bah du coup, niveau 1 complété, je jette tout le monde. Arigato. Arigato. Ah mais du coup, est-ce que, question, est-ce que vous savez si le train de la hype, il permet d'avoir les émotes K-pop en ce moment ou pas? Est-ce que ça permet de débloquer ça? Et ou sinon, qu'est-ce qui permet de débloquer les émotes? Parce que j'en ai quelques-unes. Ah, oh, il y en a, j'ai, oh, j'aimerais trop avoir le titi là. Je ne l'ai pas, mais il est trop bien. Ah, Adridri. Bouh, comment vas-tu? Ah, ces émotes. Ah, celle-là, elle est tellement cute. Elle est tellement cute. Mais, ah, les émotes K-pop sont finis. Oh non, je suis trop déçue. C'est comme les émotes LGBT. J'ai un côté cœur et je n'ai pas l'autre. Et je suis tellement déçue. Je savais pas comment on faisait pour avoir d'autres émotes. Oh, Kiki, c'est un arigato. Mais vous êtes fous. Oh non. Oh, Hirayamashi. C'est pour Anne à Léodo. Son nez. Un sang qui a toujours plein de problèmes avec ses trains, c'est fou. Il est pour toi, il est là aujourd'hui, il est présent. Je vais t'en dessiner, moi, des émotes si tu veux. Man, t'es trop chou. T'es beaucoup trop chou, Yankitae. Shana Shana, arigato, mais vous... C'est la première fois que vous prenez le train en fait sur la chaîne. C'est quoi. En plus, Idril va pouvoir être sub. Mais oui, trop bien. Très sympa ce mode de cours, mais existe-t-il des niveaux supérieurs? Alors, Angela, déjà, oui. Pour l'instant, on est très débutant, mais dès qu'on aura fini les canas, il y aura un cours de grammaire qui sera débutant. Du moins, on va évoluer hein, au niveau du JLPT, en commençant par la base du JLPT 5. Et il y aura un autre cours qui sera un cours de lecture et de traduction, où là, ça sera entre niveau débutant et niveau intermédiaire, en fonction des articles ou des histoires que je vais prendre. Et donc, ce cours-là est fait un peu plus pour ceux qui ont un niveau intermédiaire, je pense. Jusqu'au JLPT 3, on peut apprendre des choses. JLPT 2, en général, on n'apprendra pas grand-chose, mais voilà. On se prend le train, pas en pleine tête, hein, ça ferait mal. Oui, ça ferait trop mal. C'est les bis que j'aurais dû utiliser lors de la soirée Halloween. Ah, oh, Naruhodo. Bah, merci, c'est gentil. Merci les gens, vous êtes trop choux. Merci. Doucement, je comprends rien, moi, à part que j'ai réussi à follow la chaîne MTA. Bah, Idril, du coup, grâce à Ancien, tu vas pouvoir utiliser les émotes. Tu as un badge qui est à côté de toi qui prouve que tu es sub ou que l'on t'a offert un sub, en fait. Je dois les manger, à tout à l'heure. Janet, bon appétit à toi. Quelqu'un t'a offert un abonnement, du coup tu as accès à une partie spéciale sur le Discord et des émotes sur le Twitch. C'est vrai, baby. C'est vrai qu'il y a aussi les parties spéciales sur le Discord. Je bug, du coup. Vous me faites bug, arrêtez. À quoi servent les subs? Alors, de manière générale, on fait une pause du coup. De manière générale, un sub, ça permet d'avoir les badges et les émotes. Ça, c'est basique. Et en plus, vu que moi, je donne des cours de japonais, sur le Discord, quand vous êtes sub, vous avez le droit à des salons spécifiques qui vous sont réservés où je dépose tous les cours que je donne. Donc, les diaporamas, là, que vous voyez, je les dépose pour que vous puissiez les garder. En plus de ça, je vous corrige lorsque vous écrivez les canas, vous postez ce que vous faites, je vous corrige. Je donne des exercices supplémentaires, des exercices de traçage, des exercices de traduction. En fonction des cours, je vous en donne gratuitement. Enfin, c'est compris dans le sub, finalement. Et je vous corrige, c'est logique. Et voilà le petit bonus. Le petit bonus. En plus de sub à la chaîne. De temps en temps, tu as un cadeau de 50 points aussi. Ah, Naruhodo, je ne savais pas. J'ai gagné 10 bonbons. Trop bien. C'est vrai que c'est des bonbons maintenant. Avant, c'était des payants, mais... C'est payant le sub? Oui. Alors, il y a 3 niveaux, sachant que le premier, je crois qu'il y a des pourcentages en ce moment sur Twitch. Ils sont moins chers. Je crois qu'ils sont à 4 euros ou quelque chose comme ça. Vite, faut redémarrer le train. Ben non, il y a un jour, il va s'arrêter en gare, tu sais. Et Hiroshi Yokoso, merci à toi pour le follow, du coup. Merci beaucoup. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé... Mais vous êtes fous. Aïeux, il y a Mété. 800 bits, c'est énorme. Quoi? On avait
vais jamais passer le niveau 2. Waouh, mais merci beaucoup pour l'abonnement. Merci, 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 merci. Ah, attendez, parce que là, vous m'avez perdu. Il s'est passé trop de trucs d'un coup, j'ai pas compris. Mayo, déjà, merci beaucoup pour tes bits. Et Jessica, merci beaucoup pour le sub. Pour 3 mois d'avance, si je lis bien. Mais vous êtes géniaux, les gens. Waouh. Waouh. Oh mon dieu. Oh, c'est quoi. On peut aussi se le faire offrir, sinon c'est 5 euros. So. Non, c'était en septembre, ça je crois. Malheureux. Senza, elle va bugger, mais j'ai bugué là. Il y a déjà plus de 50 personnes qui regardent, ça je suis toujours autant choquée. Et. Mais oh mon dieu. C'est quoi. Arigato. Demain j'ai mon prime, j'ai le seum, j'aurais pu continuer. T'inquiète, jeudi, il y a live. Oh non. Bon allez, sur ce, on continue. Avec le lit. Donc le lit, je pense que vous avez eu le temps de le tracer, hein, vu que je blabattais et que j'expliquais un peu les histoires de sub. Donc on est sur du 2 traits, hein. Un trait qui commence d'en haut vers le bas, le deuxième sur la droite, et légèrement penché vers la gauche au bout du trait. Et du coup, bah oui, Jessica, tu as le droit aux émotes, dont le fameux Naruto et le clap-clap-clap dès que quelqu'un a réussi. Je pense que s'il y a de plus en plus de monde, c'est peut-être parce que la sensei gère. Oh, peut-être. Arigato. T'as venu, peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas apte à en juger, mais peut-être. Mais je suis très contente que vous suiviez les cours. Et... Bah, ça, je ne fais pas ça dans le vent. C'est surtout dans ce sens-là que ça soit utile à beaucoup de monde. C'est vraiment la priorité. Que ce soit accessible et que beaucoup de gens puissent en profiter. C'est vraiment l'objectif. Voilà. Et puis moi, ça me permet de level up en tant que professeur, d'avoir un petit skill pour donner cours. on va pas le cacher, hein. Au fur et à mesure des lives, je m'améliore aussi pour vous apprendre des choses. Donc, tout le monde est gagnant. Allez, le suivant, le du coup. Alors, je vous remonte le la. Ensuite, on a le li, qu'on vient de voir. Et le loup en 2 traits. Ah, yon yon 06, enfin 006 plutôt. Yo koso, merci beaucoup pour le follow. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment tu trouvais la chaîne? Dis-nous tout. Comme le li en hiragana, sans le hane. So. Oui, on retourne. Ici, on pourrait croire que c'est le même, mais non. Ici, il n'y a pas de hane. Ça n'existe pas, donc c'est comme ça qu'on le différencie. C'est vrai que le lit se ressemble énormément en hiragana et katakana, mais pas de hane, merci de l'avoir précisé. Tu nous apprends bien, j'ai toujours eu du mal à retenir les kana, mais avec toi c'est plus simple, ben, je suis contente. C'est que j'arrive à avoir à faire mon rôle de professeur et j'en suis très contente. Merci. Bah, merci à toi du coup, et merci de me le dire. Merci de me faire des retours à chaque fois extraordinaires. Je l'ai déjà dit à certains d'entre vous, j'ai l'impression de ne pas vous mériter. Hein. C'est fou comment je me sens honorée que vous soyez là. C'est. Ah! Merci! Ah! Milutin! Merci beaucoup pour ton follow! Merci! Ah mon dieu, vous êtes trop gentil! C'est... Ah! Je ne sais pas gérer tout ça! Merci pour le follow! Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé la chaîne? Dis-nous tout! Bonjour, je reste pas longtemps car je go manger bientôt, mais je follow car le contenu peut m'intéresser. Eh ben écoute, bienvenue à toi, je suis contente que tu sois venue, que tu aies atterri parmi nous, on va dire. C'est vrai que les hiragana sont plus simples à apprendre. C'est pas forcément plus simple, c'est juste que c'est les premiers, donc t'as plus de place dans ta tête. Imagine-toi comme ça, t'as des cases, les hiragana ils ont assez de place pour venir, les katakana ils commencent à être un petit peu étroits, et les kanji laissent tomber et on doit les pousser. Bienvenue à toi, Lio Opeka. Merci beaucoup pour le follow. Bon, bah, même question, comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé la chaîne? Et pour tous les nouveaux, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est bizarre, on me l'a jamais dit, pourtant je suis gentille. Sonné. Je suis impatiente à chaque fois d'avoir cours ici. Toujours un agréable moment et j'arrive enfin à les apprendre. Oh, vous êtes en train de faire fondre mon cœur. Vous êtes trop chou, vous êtes beaucoup trop chou. Ah non. Moi, je préfère les katakana. Asoka. Moi, j'ai pas de préférence. Je les sais, c'est tout. Pareil, c'est les moments forts de ma semaine. Ah, bah, je suis contente. Je suis très contente, du coup. Moi aussi, j'aime beaucoup venir en live. À chaque fois, je sais que je vais passer un très bon moment. Vous êtes tous très bienveillants, très gentils. Et on s'aime tous, sauf Ancien quand il veut me gêner. Merci, Ancien, de me faire de la promo. Merci beaucoup. Ah,
Non, je rigole, je taquine. C'est vrai que je suis toujours gênée, mais en vrai, au fond de moi, je suis très contente que quand vous faites ce genre de choses, c'est très gentil. Bon, allez, Loulou, on est sur du deux traits. Un premier trait qui part vers le haut et qui descend, et le deuxième qui descend de manière verticale pour remonter aussi sec. Et là, on est sur du loup. Alors, il est horrible comment je l'ai tracé, donc je vous remontre. Premier trait et deuxième trait tout en haut de manière verticale. On va descendre pour remonter aussi sec. Coucou Lord Bully Bouée! Konbawa! Isashibuni! Genki, comment tu vas? Moment émotionnel, exactement. Mais vous êtes trop chou! Je vous jure, vous me faites fondre tellement vous êtes des amours. C'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Je ne vous le dis pas assez. Waouh! Des bisous! Les jambes d'un pirate. Si tu le vois, je te crois. Je ne le vois pas vraiment. Faites-moi des dessins sur les Discord. Je veux voir ça, je veux voir ça. Allez, je vous remonte une dernière fois. Premier trait, deuxième trait vertical et remonte d'un coup sec. Genki, sensei, wa, ça va mieux? Hi, merci. Oui, ça va beaucoup mieux comparé à ce week-end qui était très riche en émotions. Oui, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Tout le live est un moment émotion. C'est exactement ça. On ne sait pas à quel moment il y aurait une faute dans le diapo. Elle est là, l'émotion. Elle est là. J'ai rattrapé mon retard. Bon, ça va, ça va. La jambe de bois à gauche et la jambe pied. Ah, oui. Oui. Tiens, ça y est, je le vois. Je le vois, je le vois. Ah, Osta, Yokoso. Merci beaucoup pour ton follow. Follow, je t'ai collé. Arigato. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé la chaîne? Dis-nous tout. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Allez, on continue le lait. Alors le lait, c'est simple. C'est plus un pirate. Il n'y a plus qu'une jambe en fait. Une jambe avec un pied, c'est déjà cool. Et donc c'est le même trait de manière verticale. Et ça remonte d'un coup. Punaise, il est remonté un peu trop d'un coup là. Trait vertical et ça remonte d'un coup. Salut, salut, comment tu vas? À boire. Ben oui, Kikisan, évidemment, je bois. À ta santé. Kanpai, comme on dit. Faut que je fasse une émote campagne, obligé. Je demande à Pika. Pika, à cette semaine, je dois lui commander des émotes. Donc, pareil, les Naruto, les clap clap, c'est en attendant que Pika elle puisse faire de vraies émotes beaucoup plus jolies. Là, voilà, elles sont bien, mais il y a largement mieux. Donc, voilà. Je suis tombée dessus dans les recommandations de Twitch. Trop bien, Twitch, je sais qu'on existe. Mais c'est vrai que maintenant. On est plus de 50, donc on se dit, ah, oh, c'est pas un truc tout, voilà, tout pourri ou tout, je sais pas quoi. On est un peu plus important. On n'est pas à des milliers de personnes, mais on commence petit à petit. Qui aurait cru qu'au début de confinement, plus de 50 personnes allaient regarder mes cours à chaque fois? Mes stats, je les trouve affolantes. Ma moyenne, elle commence à être à 50. Je me suis en mode, mais what? Nani, nani. Le premier, c'est les, mais quand tu as bu? Sensei, on approche des 60. Petit passage, je vais paniquer. Je vais me mettre à paniquer. J'ai jamais donné de cours à autant de gens. Alors certes, c'est pas la même chose, c'est sur Twitch, mais quand même, quand même. Il n'y a pas beaucoup de profs qui ont donné un cours à 60 personnes ou presque. Hein. Bon, le lait, voilà. Et du coup, on finit avec le dernier. Le dernier, c'est un carré. L'eau, wakutidesne. Ça ressemble au kanji de la bouche, enfin. C'est le candy de la bouche, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on est sur du 3 traits. Le premier trait vertical à gauche. Le deuxième, on démarre en haut et on fait un angle droit. Et le troisième, on démarre encore du premier pour fermer le carré. C'est normal, c'est mérité, Sensei. Ah, je suis pas aussi perçu, j'en suis pas aussi persuadée que vous, mais si vous le dites, c'est que c'est vrai, alors je vous crois. Je viens de tomber sur ce live par hasard, j'ai follow direct, c'est ce qu'il me fallait. Good job! Yokatanes! Ben, je suis super contente et je vois qu'on arrive vraiment proche des 60, c'est hallucinant! On va battre le record, les gens, on va battre le record! À 60, je prends l'abonnement tier 3. Quoi? Non, hein! Non, 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 on connaît Muli d'ailleurs! C'est Muli, c'est beaucoup trop d'argent! La petite Mu, Yokoso, merci beaucoup pour ton follow! Comment vas-tu? Alors, question habituelle, d'où viens-tu? Comment tu trouvais cette chaîne? J'espère que tu trouveras une petite place parmi nous dans ce grand amphi qui est en train de devenir cette classe. Et si t'as des questions, bah n'hésite pas. C'est même presque pareil que Kohi, café en japonais. Qu'est-ce qui est presque pareil que Kohi? Moi, tout d'un coup, je stresse pour elle alors que tout va bien et que les gens sont bienveillants.
Sonne. Ah, t'es trop chou, Floki-san. Arigato. Go faire de la pub pour les 60. J'aime bien que Sensei qui dit non. Mais, oh, Yamete, hein. Je sais que j'ai pas d'autorité, mais c'est pas une raison, hein, pour en abuser. Bonsoir, merci, j'ai vu le titre dans mes recommandations, j'ai pas hésité. 10 ans. Ah bah. Eh bah, écoute, parfait, alors c'est que tu es au bon endroit si rien que le titre t'a suffi. 19! Moi je vois pas, on est encore à 17 ans. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ah mon Dieu, vous faites la promo comme Jaja. Bien joué tout le monde. Bon, je vous remonte une dernière fois à l'eau. C'est assez simple, hein, le lot, il n'y a pas grand-chose, c'est un carré. Qui peut inviter un ami? Un pronom japonais, c'est très clair. Oui, ça se veut explicite. Hein. Mais si Sensei, tu as une autorité, mais elle est là-bas en PLS. Oui, c'est vrai. Mais je peux pas. Enfin, je sais pas pourquoi dans ma tête, être autoritaire, c'est être méchant. Du coup, je n'arrive pas à être autoritaire. Alors que c'est absolument pas, pardon, la même chose. Hein, mais il y a un trait en moins quand même. Oui, Ko, il n'y a pas le premier trait. Naruhodo, je vois ce que tu veux dire. Ko, il y a. Alors, hi, c'est ça. Et ko, c'est ça. Ko, hi, elle est. Normalement, il y a des traits, c'est ko, hi, mais c'est pas grave. Vive les recommandations, oui! Mais je suis trop contente quand je suis recommandée sur Twitch. Ça, c'est trop bien. Moi, je trouve ça génial. J'ai trouvé le live en recommandation. Bah, sugoi. Alors, j'aime être autoritaire et méchant, c'est normal, avec mon taf. Oui, bon, toi, ancien aussi, voilà. Au contraire, tu peux être autoritaire sans être méchante. Mais oui, mais j'arrive pas. Vraiment, pour moi, l'autorité, c'est lié à la méchanceté et à parler mal. Et du coup, je n'arrive pas à être autoritaire. J'ai trop une voix de gentil. J'arrive pas à faire une voix autoritaire. J'arrive pas à être en mode. Si, avec le fantôme. Avec le fantôme, aucun souci, va faire la vaisselle. Mais non, mais du coup, je suis méchante quand je dis ça. Genre, va faire la vaisselle. Va faire l'aspirateur. On n'a pas d'aspi, ça va être compliqué. On a vu combien de lignes? Là, on est à l'avant-dernière. Enfin, avant-avant-dernière. Donc, combien, je sais pas, mais voilà. Mais en fait, je suis autoritaire, mais je suis gentille. Bah oui, tu es un gentil, hein, ça. 61, c'est vrai? Moi, je le vois pas apparaître sur mon stream. On est toujours à 57, mais. Oh, c'est go, il est chi. Je suis contente. Il y a une amie qui a peur d'être autoritaire parce qu'elle a peur d'être méchante. Bah, je suis pareil. Je suis vraiment pareil. Moi, je suis arrivée par recommandation, la meilleure recommandation que j'ai jamais eue. Je suis contente. Yokata, yokata. Tu n'es pas méchante, tu t'imposes. Pauvre fantôme. Ce matin, j'étais autoritaire. Je fais, hé, tu pourrais quand même débarrasser le. Retirer le linge. Alors que, parce que c'est moi qui vais mettre le linge. Bah, vous voyez comment je suis. J'arrive pas. Je peux pas. Oh non. J'avoue, si tu n'es pas autoritaire, avec les enfants, c'est le bordel. Bah, on s'entraînerait et tout. J'ai jamais eu ce souci-là. Parce que les. J'étais dans un comment dire, j'étais dans un centre aéré où les enfants ils étaient très sages, enfin très peu de personnes, enfin d'autres de personnes, d'enfants qui faisaient le bordel et j'arrive très vite à les captiver et à faire en sorte qu'ils ne fassent pas de ce bordel. Donc j'ai jamais eu besoin d'être autoritaire, mais bon. Sensei, nous sommes 60. Oh oui, on est 60. Waouh! Sugoi! Mais non, Mayeux, j'avais dit non. Y'a pas. Mayeux, tu es officiellement la première personne qui a un sub au-dessus d'un sub tier 1. Tu resteras jamais gravé dans ma mémoire rien qu'avec ça, du coup. Ah! Bah, je veux une pluie de clap, clap, clap dans le chat pour Mayeux. Je veux une pluie de clap, clap, clap. J'en veux un torrent, un tsunami! Donc, tu as une autorité naturelle avec l'école. Oui, avec les enfants, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'en tant que prof. Mais après, vous n'êtes pas des enfants, donc je ne me vois pas l'utilité d'être autoritaire. C'est ça aussi. Oui, je vais faire un malaise, mais j'en reviens pas. Je l'avais dit, je l'avais fait. Oh mon Dieu. Je veux vraiment un tsunami. Faites un torrent pour Mayo de clap, clap, clap. Mais c'est. Quelle soirée. Quelle soirée. Waouh. C'est un enfant sensei. Mais exactement. Vous avez tout compris. Oh non, merci Mayeux. Mais merci. Arigato gozaimasu. Hontoni arigato. Yaba. Yaba sugi. Arigato gozaimasu. Bon, du coup, utilise bien Sasuke et Kakashi. Hein.
pendant ton mois de sab. Waouh! C'est sûr qu'être autoritaire avec des plus âgés que toi, c'est compliqué. Bah, sachant que la majorité des gens sont plus âgés que moi de base, oui. J'ai pas les émotes pour clap. C'est pas grave, tu peux mettre clap, clap, clap. Quel beau shuriken! Mais oui, du coup, tu as les petites étoiles dorées en plus. C'est vrai que c'est un beau petit bébé, notre sensei. Oui, bah. Oh. Et oh, quand même, hein! Hein? Voilà mon maximum d'autorité. Allez, vous allez moins faire les malins là, un petit quiz. J'avoue, j'avais pas vu. Ah, sugoi! Sone, ah, mais sugoi! Clap, 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 mais oui! Des pattes-pattes, je me fais les pattes-pattes du coup. Waouh, Mina! Bah, bienvenue! Du coup, à tous ceux qui viennent d'arriver par recommandation, bienvenue à vous. Voilà, bienvenue. Yokoso, comment on dit en japonais? Ah, à boire, oui, à boire. J'ai besoin de boire là. Tu as fait comment pour passer d'un abo à un autre? Car ils me disent que je peux pas. Est-ce qu'il était encore sub? Peut-être que son abonnement était fini. Et ce n'est pas une raison, Kiki. Hein. C'est pas une raison pour subayeux. Hein. Si on continue à faire des pauses, pas sûr. À sonner. Bon, allez, on continue du coup. Petit quiz sur les lus. Sur les lus. Kampai ne kampai. Alors, le 3, 2, ici pour les lus. On est encore sur du 5 questions. Que s'est-il passé? Bah, comment dire qu'on a sub tier 3? Que j'en reviens toujours pas. Que j'en reviens toujours pas. Quand tu es sub, tu cliques sur le bouton offrir un sub et en bas tu peux changer ton niveau d'abonnement. Ah, on peut suivre quelqu'un sans être abonné et sans avoir de sub? Ben oui, bien sûr. Alors je te conseille de follow parce qu'au moins ça te permet de recevoir les notifications quand je live. Bon, après, je live le lundi et le jeudi à 18h30. Donc voilà. Mais n'hésite pas à follow, ça permet de donner un peu plus de visibilité à la chaîne et c'est toujours cool. Faut le dire à Namour. Ah non, mais c'est l'une des premières choses que je vais lui dire. Je vais faire, tu te rends compte, on a sub tier, on attire toi. Je vais lui dire ça, mais. Quoi? Parce qu'il est pas sur Twitch, il regarde pas trop Twitch. Mais c'est hallucinant. Enfin, aujourd'hui, mais tous les. Ah là là, train d'hype niveau 2, plus le nombre de follow que je ne calcule pas, plus le nombre de subs, plus on offre des subs, plus. Ah, oh, mais les gens, il y a trop de trucs aujourd'hui, vous êtes adorables. D'ailleurs, je viens de voir, on est passé des M au R, on n'a pas vu les Y. Alors, normalement, il y a les Y avant, sauf que là, pour les quiz, j'ai fait d'abord passer la ligne des R et ensuite on verra les Y. Je me suis trompée de pseudo. Ah, Soka. J'arrive un peu là par hasard. Bonjour, coucou à toi! Oh, merci du coup, Hankoku, pour le follow. Follow してくれてありがとうございます。なんか質問があればどうぞね。Si tu as des questions, n'hésite pas. Et petite question habituelle, comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé notre cher cours de japonais? Recommandation peut-être? Pourquoi j'ai perdu mon chouchou à ma masse? Bon, allez, on commence le quiz du coup. Donc pour ceux qui sont sur ordi, tout se fera sur mon écran. Pour ceux qui sont sur téléphone, ça sera dans le chat. Je commence. Première question. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe ra? Jado desu ka, minasan? Quelle est donc la réponse? Si je pouvais, je paierais. Kedo, dekinai sensei, gomen ne. Daijoubu, daijoubu. Nanka, nanimo sabu shite nakutemo ureshii follow shika とか、なんか私の授業を見るしか見えないって、嬉しいすぎ、本当に嬉しい。Je suis très contente, même si vous sub pas, même si vous donnez pas de juste follow et être là, faire en sorte que la chaîne soit référencée, c'est extraordinaire pour moi, mais vraiment, vraiment, vraiment. Les subs, tout ça, c'est vraiment du plus, du bonus auquel je ne pense pas mériter, mais que vous le faites quand même. Donc j'en suis honorée, mais voilà, je sais, je perds mes mots du coup, mais voilà. Du coup, je montre la réponse à tout le monde. Généralement, c'est presque un sans faute, c'est parfait. Linmeike, Yokoso, merci beaucoup pour ton follow. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé la chaîne? Dis-nous tout. Si tu as des questions, n'hésite pas. Merci encore pour le follow. On est en train de faire monter sa moyenne. Non, mais c'est fou, hein, mais vraiment. On est 60 constants. C'est extraordinaire. C'est vrai. Kawaii. Kawaii kunai. Ya, arigato kedo.
Tsugi no shitsumon. Question suivante avant de me gêner. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe lu? Ça a bugué, j'ai loupé la première question. T'inquiète pas, c'est pas grave. Il y a les autres qui arrivent. Daijoubu, daijoubu. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe lu? Waouh, je suis pas un assidu de Twitch, je savais pas que ça existait, les quiz comme ça. Ben c'est nouveau, hein. On l'a instauré le cours dernier. Recommandation du chat, donc... J'ai juste que je veux te partager un peu de tout ce que tu nous donnes. Oh, t'es beaucoup trop chou, Mayu. T'es adorable. Vous êtes tous adorables. Mayu un peu plus, du coup, parce qu'il y a tiers 3, mais... Arigato, arigato. 7 secondes pour répondre. C'est vrai que c'est sympa, les quiz. Ah, ça en est. Oh, bien joué, tout le monde. Presque un sans faute. C'était le avec le petit trait. La pirate, les jambes de pirate. Moi, ça jette lag tellement qu'il y a deux personnes. Ah, honto. Ah, soka. Mayu tricheur. Non, Mayu a juste très bien soudoyé le prof. C'est juste ça. Sensei wa tottemo shinsetsu ya kawaii. Arigato. Ma, sonna koto omotte yureshii. Je suis contente que tu penses à moi. Le gars de ce katakana correspond à la syllabe ro. Dou daro? Ya Rose-san, arigato. Ya Rose-san wa watashi yori shinsetsu na hito desu ne. T'es beaucoup plus shinsetsu que moi. C'est pas un chouchou, c'est quelqu'un qui m'a sudoyé, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Oui, alors, je suis en négatif. Kiki, oui, je crois que mon abo doit finir car les autres abos sont grisés. Je participe pas cette fois, j'ai aucune notion à l'écrit, mais la prochaine fois avec plaisir. Bah n'hésite pas, n'hésite pas. Oh mon dieu, on va arriver dans les 70. Bonjour les presque 70 élèves. Bon, on montre la question du coup. Oh, sugoi, presque kanpeki. C'est génial, sugoi. C'était le premier, c'est ton lot, il est toujours affiché sur le diapo. Ah, tashikani. J'avais pas fait attention, c'est vrai que j'aurais dû mettre. Quiz, mais ben, il veut pas. Quiz, pourquoi t'avances pas? Quiz. Sans tashikani. Ja, tsugi no shitsumon. Quatrième question du coup. Quelle est la lecture du katakana? Est-ce que c'est les, lo, li ou la? Rebonsoir Ako-chan. Ako-chan. Ako-san, gomenasai, shitsurei. On est 66. Et là on est 68 moi sur mon stream. Bon ça fait pas autant mais... Si c'est un chouchou, c'est pas la force des choses. Attendez par là la force du portefeuille. Tashikani ne, tashikani. La personne qui s'est trompée, au moins, on sait qu'elle a pas pu... Elle a pas triché. Oui, c'est ça, c'est une personne honnête. Exactement. Oh, Maïtika, follow shite kurete, arigato. Merci beaucoup pour ton follow. Yokoso, bienvenue dans la classe. Comment vas-tu, d'où viens-tu et comment as-tu trouvé cette petite chaîne? Oh, alors le lot, vu que vous connaissez les hiragana, c'est un sans faute. Bien joué. Kampekida, c'est parfait. Adridri, c'est pas drôle. Je pense que Adridri s'est trompé du coup. Coucou, je cherche à apprendre durant ce confinement. Et eh ben écoute, tu es le ou la bienvenue. Merci à toi pour ton follow, ça fait super plaisir. Et oui, des clap 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 pour ce perfect, c'est nickel. Et du coup, dernière question pour ce petit quiz. Quelle est la lecture du katakana? Est-ce que c'est lo, la, les ou le? Je l'ai eu en mode random. Comme quoi, le talent. Il est présent en chacun de nous. Ça en est. Iso, ine. Sugoinja. Je pense que le cap, je reviens à ça parce que je vois que ça augmente encore. Le cap, ça sera 100 personnes constamment. Ça va être... Oh, je vais pas me sentir bien. Je vais pas me sentir bien. Mais ce cap-là, quand je l'aurai passé, je pense que dans ma tête, sera... je vais être en mode... Ah ouais, quand même. Ah ok, le jour où je vais vraiment faire 100, je vais... Ah ok, génial, c'est vraiment un amphi, vraiment. Et alors, je vous montre la réponse du coup. Oh, presque parfait.
Sugoi minasan, super tout le monde. So, le deshita ne, c'était le. On voit les syllabes en Y ce soir aussi. Oui, on voit la fin du tableau. Donc Y, W, le N, so. Ah, je veux des clap pour tout le monde dans le chat. Vous avez géré. Vous avez clairement géré. On va voir qui est le regagnant. Show final result. Oh, Shania-san, obedetto. Je veux des clap pour le top 1 de Shania. Clap. Et Mayu avec le Kakashi, le Sasuke. Gakkoi, c'est la classe. Omedetto, Shania, destinimo. Omedetto, Yankitai, omedetto. Minasan, omedetto. Bien joué, top 1. Shania, du coup, on se croit à Fortnite, pas du tout. Bien joué. Et aux autres également, vous avez fait un super bon score. Super. C'est génial. Sugoi. Omedetto. Omedetto, je suis deuxième. Sone, kanpeki minasan, kanpeki. Très bien, félicitations. Toujours avant-dernier. Tu peux y arriver, Akotan. Tu peux y arriver. Classe ultime, mais quel neko. C'est quoi le classement rose? Ah, je sais pas. Je regarderai pour le prochain, du coup. Et oui, il reste encore un dernier quiz pour les deux lignes que l'on va voir après. Et donc là, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Mais pourquoi ça veut pas? Bon bah on va faire comme ça à la main. Du coup, on va continuer avec la. Donc c'est pas une consonne, je me suis trompée, c'est ce qu'on appelle une semi-consonne. Ça change rien pour vous, hein, mais bon, correctement dans la linguistique, on appelle ça une semi-consonne. Et on en a trois en japonais. On a le ya, yu et yo. Je suis remontée à bloc. Ganbare, minasan omedetto. Vous êtes trop forts, les gens, vous êtes beaucoup trop forts. C'est tellement amusant cette cuisine. Ah bah, je suis contente. Je sais plus du tout qui me l'avait recommandé. C'était peut-être Cookie-san, mais je ne sais plus. Mais cette personne, merci beaucoup. Je cherche. Alors, si vous avez des extensions qui sont cool, n'hésitez pas, parce que j'en cherche actuellement pour améliorer un peu la chaîne. Donc, s'il y en a que vous aimez bien, bah, n'hésitez pas. Hein. Candy, tu dois attendre encore 8 jours avant d'avoir un nouvel abo de niveau 3. Mais pourquoi vous faites ça? Merci. Merci. Bah écoute, j'attendrai ces 8 jours. Mais tu n'es vraiment pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de dépenser vos sous, hein. Vraiment. Vraiment. Après, les gens, ils vont dire: oh, vous êtes pour l'argent. Mais non, pas du tout. Ça me fait plaisir parce que du coup, vous payez le travail que je fournis. Mais je veux vraiment pas ça pour ça de base, hein, vraiment. On apprend le japonais en s'amusant et ça, c'est très important. Sonne. On continue. Donc, le ya, ici, on est sur du deux traits. On commence à l'horizontale. Pourquoi ça veut pas? Voilà. On commence à l'horizontale avec un petit hane ici, vers le bas. Et le deuxième est vertical, tout simplement. Ajoutez le manuel. Coucou Tebesan, merci beaucoup pour le follow. Je ne sais pas si je te l'ai dit du coup, mais si je te l'ai pas dit, ben, bienvenue à toi, Yokoso. Comment vas-tu? Comment as-tu trouvé la chaîne? D'où viens-tu? Voilà, dis-nous tout, on est curieux ici. Sensei la misto janai yo, sonna koto wa iwanai de honto ni nanka honto ni sonna koto nai. Allez follow sur Insta. Ben oui, et n'hésitez pas, Insta, on est bientôt à 5000, je suis choquée, les réseaux Insta a monté hyper vite en ce moment. N'étant pas allé au Japon cette année, on a facilement 500€ à dépenser ici. C'est beaucoup 500€, c'est trop 500€, c'est énorme. C'est comme le ya en hiragana sans la deuxième petite barre. Oui, tout à fait. Le ya, je vous le fais ici, c'est ça. Et donc ici, on n'est pas arrondi. Le ya en hiragana est très arrondi. Là, on est très carré, hein, on est sur du katakana. Et on a le petit hane en plus et que deux barres, que deux traits. Sensei wa okane ga daisuki. Wa sonna koto nai. Je suis pas... Enfin, je veux dire, l'argent me sert juste à vivre. Pour être honnête avec vous, pour l'instant, vu que mon entreprise, ça fait un an seulement qu'elle entraînait... Enfin, qu'elle a commencé, je ne me suis versé aucun salaire pour le moment. Je me crée une trésorerie pour de futurs projets qui potentiellement me coûteront beaucoup d'argent. Mais pour tout ce que j'ai fait actuellement, même les campagnes Ulule, je n'ai rien pris.
J'ai tout gardé, je suis très économe. Et même là, je crois que du coup, Twitch, ça va être mon premier virement, je pense. Parce que depuis le début, là, clairement, je pense que la première fois où je vais avoir de l'argent grâce à Twitch, ça va être dans les jours qui vont arriver. Mais je vais clairement tout garder. Parce que je ne me verse pas de salaire pour le moment. De quoi on l'a pas vu. Si tu as 500 €, fais-lui un don. C'est beaucoup. C'est vraiment trop, 500 €. Salut, je viens tout le temps à la fin du live. Oh non, Scoop Sam, t'inquiète pas. Le live d'aujourd'hui a duré plus longtemps. Il s'est passé plein de trucs. Du coup, on a parlé pas mal. Donc, il te reste encore une ligne et demie. Enfin, deux lignes, du coup, avant que le live ne se termine. Donc, t'inquiète pas. C'est normal, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Bah oui, oui, oui. Sone. C'est tout à ton honneur, Sensei. Ah, ça on est. Mais après, c'est réfléchi. Hein. Si je pouvais, je me ferais certainement un salaire, mais de toute manière, je... Bon, bref, c'est... Pourquoi je vous raconte ma vie? Ça n'intéresse personne. Les hiragana sont toujours plus ronds. Il me semble que... Le hiragana, ça arrondit un truc du genre, peut-être que je dis n'importe quoi. Oui, 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 tout à fait. Hein. Tout à fait. So. Bon, je remonte une dernière fois, du coup, pour le ya, on commence horizontalement avec un hané, et ensuite on coupe en deux avec un trait vertical, tout simplement. J'ai trouvé ta chaîne par hasard, et comme j'adorerais pouvoir parler japonais, me voilà. Eh ben écoute, bienvenue. Oh, pardon. J'ai bugué, j'avais allumé ma salive de travers. Bienvenue à toi, et si tu as des questions, n'hésite pas, hein. C'est fait pour ça. Parce que ça nous intéresse. Pas vraiment. Mon chat est très intéressé par le cours, et ben je suis contente. Oh! Et. Tofu guys! Nanka. Fall guys! Te. Asondetta de sho? Mo. Owatta bakari kana? Ya. Ano. Tofu guys wa. Nihonjin de sho? Nanka. Watashi no stream wo suru mae ni. Mittan da kedo. Sono hito kana? Alors, Tofu Guys, je regardais son stream juste avant de faire mon cours et il jouait à Fall Guys. En ce moment, j'aime bien regarder du Fall Guys et je crois que c'est lui. Je suis. Hi! Ja, Tofu Guys. Naruhodo. Ja, Tofu-san, to yondemo ii desu ka? Motto kantan da kedo. Youkoso, follow shite kurete arigato gozaimasu. Honto ni ureshii desu. Ja, ima, kyo wa nihongo. カタカナをみんなに教えてあげるんだけど、まあ、なんかフランス語を勉強したいならとか、英語も少し話せるんだけど、あ、フォローガイズ終わったので見に来ました。なるほど、ありがとう。なんか突然にストレスが来たんだけど、désolé tout le monde, du coup je me mets à parler japonais pour que ce japonais puisse comprendre, mais yokoso, arigato, follow shite kurete, hontoni arigato, ureshi. J'ai tenté de commencer le jap pendant le dernier confinement, je me suis relâchée, j'ai oublié pas mal de trucs, mais je reviens. Je suis super contente que tu sois là. Merci de faire des vidéos comme ça où tu nous apprends le japonais, parce que ça t'apporte rien de nous apprendre le japonais, tu fais juste nous apprendre, donc merci beaucoup. そうですね。そう。du coup, bienvenue, Kuroza. ようこそ。フォローしてくれてありがとうございます。Si tu as des questions, n'hésite pas. Et Kari Sonlin Off, もありがとうございます。Merci beaucoup pour ton follow, Kari. Et tout le monde, d'où venez-vous? じゃあ、トフさん、そのストリームで、いつも、なんというの？いつも言う質問があって、その質問は、元気ですか？それでどこから来ましたか？それでどうやって私のチャンネルを見つけたってことなんだけど、まあ、じゃあ自己紹介どうぞ。c'est pour te saluer. そう。Alors, je les garde et je me prends de briller Air China au lieu d'un. Let's go! そう、これにしましょう。そう。Oh là là! Tofu guys, I'm French. I'm from Saint Nazaire. 日本人誰？Tofu guys. Tofu guys は日本人。恥ずかしい。いや本当に来てくれて超嬉しい。なんか日本人が私のストリームで来てて嬉しい。元気です。Tofu です。日本人です。英語が少し話せます。先ほどアプレノンさんが参加してくださったので、
Ah, alors je traduis pour ceux qui veulent. Il est en forme, il s'appelle Tohofu. Il est japonais, il parle un petit peu anglais et il est. C'est comme je suis venue participer à son live juste avant, ben, c'est pour ça qu'il a trouvé ma chaîne et qu'il est venu. Watashi mo neko ga nihongo benkyou shite ru. Are? Neko? Nani? すごいすごいすごい。じゃあ授業を続きましょう。じゃあ今はやをやって、次は you。 Donc le prochain c'est you。 On est sur du deux traits。 Nikaku Nikaku ありますね。 On commence comme pour le ko, un trait horizontal, puis on fait un angle droit très vertical, et le deuxième va souligner le tout, voilà, de manière horizontale. Bonsoir, tu parles si bien, c'est hypnotisant. Ya yeah. Pas encore, pas encore. Je sais, j'ai beaucoup de progrès à faire en vrai. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Arigato, arigato. Et ja, ano, Tofu-san, nanka, moshi, aru hi, ano, isshou ni Fall Guys shitai nara, ano, shitai koto desu. Nihonjin to, ano, asobu no ga daisuki ndakedo, ma, tabun watashi no nihongo no rebelu wa なんかまだまだって言いたいんだけど、もしよかったら一緒に遊びましょう。フォローしてくれてありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。ぜひ遊びましょう。ああ、嬉しい。じゃあディスコードつけてから、あのなんか連絡しますね。 C'est le début du jeu du pendu, la potence. Exactement. Bon bah du coup, avec Tofu, si on peut, on fera des parties sur Fall Guys ensemble. Je mettrai les liens sur Apprenons le japonais si vous voulez. Tu es japonaise? Non, moi je ne suis pas japonaise, je suis 100% française, avec plein d'origines, dont italienne, hongroise et belge, mais je suis française. Nanka, ano, insta wa arimasu ka? Twitter ga atette mitan dakedo. J'ai vu que Tofu avait Twitter, mais bon, bon, bon. Mon savoir retenu le Y pour une fois qu'il me sert. Omedeto, Oko-san. Omedeto. Donc voilà, le You, je vous remonte une dernière fois. Ta You wa, saigo. Kore desu ne. Nikaku de. I don't have Instagram account, gomen ne. Ah, ja. Daijoubu, daijoubu. Nanka, Twitter mo aru shi, Discord mo tsukuru no de daijoubu. Renanku suru no wa kantan desu ne. Et du coup, le dernier en Y, c'est yo, yo. Et on est sur du trois traits, hein, sankaku desu ne. Donc, premièrement, horizontal, puis d'un coup vertical, premier trait. Et deuxième trait, on va rejoindre le premier en partant de la gauche vers la droite. Hop, et voilà. Comment on fait pour le clavier en japonais, parce qu'il y a les katakana, les hiragana et un milliard de kanji? Ben, tu tapes les syllabes et ensuite, tu choisis les bons caractères, tout simplement. J'arrive à la fin du live, à ce que je vois. C'est pas grave, t'inquiète pas. T'inquiète pas, daijoubu. Oui, on commence toujours à 18h30 parce qu'après, sinon, moi, ça fait trop tard. Le lendemain, j'ai cours, etc. Bon, c'est un souci pratique, mais voilà. Oh, sensei, you have a good English accent. Et dare, watashi. Ya, ego wa hetakuso. Jinsu wa ego hetakuso ndakedo. Le E inversé, exactement, Azum. So. Il y a les redifs sur la chaîne Twitch. Bon, vous dites tout, c'est parfait, c'est parfait. Donc, un mince. Hop, on continue. On arrive sur la consonne W et le N. W et N. Donc là, on est sur trois autres kana. Le WA. WA. On est sur du deux traits. Le premier est vertical. Le deuxième est horizontal. Et on descend directement vers la gauche. Il est moche. Watashi no katakana wa masu de kitana sugi. Horizontal et on descend vers la gauche. Ok, ça a l'air compliqué pour le clavier. Non, 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 c'est pas si compliqué. Regarde des tutos sur internet, il y en a plein. Mais c'est vraiment super simple à apprendre, surtout si t'es en QWERTY. Le clavier japonais, c'est un peu compliqué, mais le QWERTY, c'est assez simple à prendre en main. So. Alors, je vous montre une deuxième fois. Le WA, on commence verticalement,
Et le deuxième, on commence à partir de haut, horizontalement, et on descend. On fait un fou, en fait. C'est un fou caché. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les confondre, parce que, waouh, on a un petit trait juste devant, le là, et le trait, il est au-dessus. Donc, faites attention. C'est la même base, mais ce n'est pas le même, évidemment, c'est logique. Le suivant, c'est le O, O. Donc, normalement, c'est W, O, hein, mais il se prononce O. Et en katakana, on s'en fiche un peu comment on va leur transférer. De toute façon, on le voit très peu. Très, très peu. Même parfois, on leur son wo, W-O. On va utiliser le wo nandalo. Wo nandatano. Je me souviens plus les syllabes, le son supplémentaire pour wo, tellement je ne l'utilise pas. C'est vrai, tu parles très bien japonais, enfin, je trouve. C'est gentil. Arigato, minayasashi. Vous êtes tous très gentils. Du coup, quand on dit watashi, on utilise des hiragana ou katakana. Ça sera hiragana à 100% parce que c'est un mot japonais. Les katakana, c'est exclusivement réservé pour les mots étrangers. Tout ce qui vient d'un mot étranger, on le mettra en katakana. Tout ce qui vient du japonais, qui ont été créés par les japonais, ça sera en hiragana ou en kanji. Ça fait combien de temps que tu parles japonais ? Alors moi, ça fait bientôt 8 ans. Que j'apprends japonais, j'ai commencé au lycée, donc là ça commence à faire un petit bout de temps. Je lis wa alors qu'il s'écrit wa. Alors c'est les hiragana. Ça, quand on dit konnichiwa, kanbanwa, c'est une lecture spéciale, une prononciation spéciale, parce que de base ce wa, c'est la particule. Et en tant que particule, elle se lit wa, même si elle s'écrit ha. Je t'invite à regarder le cours de grammaire qui a été fait il y a 2 semaines, où on parle de ça justement, et tu comprendras un peu mieux avec les exemples. Le kanji, c'est watashi, so. Merci Yukimi. Donc voilà, le wo, on est sur du 3 traits. On commence avec un égal, et on finit ici. Chose que je viens d'apprendre, moi je faisais toujours en 2 traits, mais c'est pas grave. voilà, c'est pas grave. Même avec 8 ans de japonais, je ne sais pas forcément tous les ordres des mekana. Donc je vous remontre, on fait 1 égal, et le troisième, on part du premier, on rejoint le 2 et on descend vers la gauche. Je veux pas taper japonais, c'est juste pour savoir. Naruhodo, naruhodo, naruhodo. Jasaigo, du coup le dernier, on est sur le son N, c'est pas N, c'est N, comme dans Kan, c'est ce N là. Et on est sur du 2 traits, donc là je vous l'ai dit, la Chine est à gauche. C'est quoi ce trait? Vous imaginez un trait droit et vous partez de ce trait droit. Hop, premier trait et deuxième trait qui remonte. D'accord? C'est utiliser le O à malitskawanai. On l'utilise pas vraiment. And so look so similar. So and so ne. Ma watashi no. Ah non. Hoho wa, nan to iu no, nanka furansu go nan da kedo, ano chugoku tte sa, chugoku wa furansu go de shinu to yobimasu. Sono shinu wa ano hidari ni aru to iu to, sono hidari ano sen o sozo sureba ano totsuzen ano sugu ni wakari yasui ni naru. Mitekudasai. Je m'explique ma technique du shin est à gauche. Kore wa ya kakenai. Shi te koto nanka sen wa hidari ni et so wa ue ni aru. So wa kore desu ne. Dakara ue ni sen o kakeba ano Miyasui, c'est plus facile à regarder. Mais en japonais, le E et le A est inversé, c'est pareil pour le R et le L. Parce que, par exemple, quand on dit za, wa, lu, do, asone. Ça doit être complexe de retenir tous les katakana, tous les hiragana et les kanji. Alors, les katakana et les hiragana, c'est facile si vous vous entraînez. Les kanji, par contre, oui. Même moi, je ne sais pas tous les kanji qui existent. Et je mettrai des années à savoir les kanji de base, enfin de base, les 2000 et quelques kanji. Et jamais je ne saurai tous les kanji qui existent, c'est pas possible. Mais les hiragana katakana, c'est faisable.
Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très accessible si vous y mettez du vôtre, que vous êtes motivé, que tous les jours vous pratiquez, que vous suivez les cours, que vous faites des exercices, ça ira tout seul, hein. Je ne pense pas qu'il soit possible de connaître absolument tous les kanji. Voilà, Shania a répondu, enfin, dit ce que j'ai dit. C'est pas possible. Question d'habitude, c'est comme pour tout. Bah voilà. Tu lis des mangas en japonais ? Oui, alors moi, je... Black Butler. Voilà, j'adore Black Butler. J'ai lu Your Name en manga. Il est très simple, très accessible. Je veux acheter tous les Naruto, tous les Boruto en japonais. Du coup, je suis une grosse fan maintenant de Naruto. Mais oui, il y a 50 000 kanji et encore, c'est ce que sont considérés comme moderne. Oui, donc voilà, c'est impossible. Ne lis pas ce sono subete no kanji, ano tofu-san, subete no kanji te shiranai desho. Je lui dis que même un japonais, en tant que japonais, c'est impossible de savoir tous les kanji. J'ai deux premiers tomes de Dragon Ball si tu veux. J'ai lu le premier et j'aime pas. Je te les file si tu veux. Bah, Dragon Ball, je ne connais pas forcément, mais. Enfin, je connais pas. C'est pas quelque chose qui m'attire, mais écoute, si un jour on se voit, Japan Expo, ce genre de choses, je ne dis pas non. C'est toujours ça de prix. Et du coup, je dab! Dab this! Bah, dis donc, les Kana, ça a pas l'air keep friendly, tout ça. Daijoubu, ça va aller, t'inquiète pas. Les kanji, oui, non, c'est un peu plus compliqué. Enfin, voilà, du coup, pour les katakana. Il a une question sérieuse. Quoi ? J'ai une question sérieuse pour une fois. T'as des conseils pour apprendre à parler japonais, genre à l'oral ? Faites-vous un correspondant déjà. À l'oral, il faut trouver des japonais. Trouver des japonais, faire des sorties avec eux et avoir déjà une base en grammaire. Ça ne sert à rien d'aller voir un japonais et d'essayer de parler si vous n'avez pas construit de phrases. Il faut que vous ayez un certain moment. Comment dire ? Il faut que vous ayez un certain temps d'apprentissage, pardon, pour pouvoir communiquer les bases. Dès que vous avez franchi ce palier-là, allez vers des japonais, essayez de trouver un moyen. Là, c'est difficile, en ce moment, il y a des japonais nulle part, mais essayez. We can try all the kanji, but yes, as sensei say, we can read most of kanji. Donc ouais, Tofu, il nous dit, bah, pour ceux qui ne parlent pas anglais au cas où, que c'est impossible d'apprendre, de savoir lire tous les kanji, mais qu'en effet, c'est beaucoup plus facile de savoir les lire, en tout cas. Quand je ferai des ramen. Oui. Tu conseilles quoi comme manga ou livre si commencer par les mangas est trop compliqué pour lire en japonais? Il y a des petites séries japonaises pour les enfants. Ça, c'est extraordinaire. C'est top. Bah, donc, pas pour lire, pour entendre. Pour lire les livres pour enfants. C'est con, mais commencez par des trucs pour enfants. Et vous allez... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. J'ai plein de livres. J'ai les Disney en japonais, c'est con. Mais les livres d'images, les Disney... Donc on connaît déjà l'histoire aussi, ça peut nous aider au début pour avoir cette intuition de ce que veut dire l'image, enfin de ce que veut dire le conte. Mais si c'est pour enfants, prenez, c'est que c'est accessible en général. Quoi, tu utilises des mots trop compliqués? Un correspondant, ok, mais où en trouver? Il y a plein d'applications maintenant, de sites internet, vous allez sur des groupes Facebook, des Discord avec des japonais et vous trouverez assez facilement. J'aurais pas gâché mes 500 points. Tu en es capable, Tebesone. Il faut revoir les cours précédents de Kyandi Sensei. On a commencé en septembre. Oui. Quelle bonne idée, les livres pour enfants, bien vu. Bah oui. Sone. J'ai juste acheté des petites histoires pour enfants, tout en kana. Pratique pour les mémoriser. Oui, et c'est surtout aussi très pratique pour commencer à lire. So. Je peux en trouver à Lille, mais je vais en chercher. Bah écoute, VO. Regarde AVO, ils en ont, je crois, mais je suis pas sûre. Tu peux nous donner un site franco-japonais? Un site franco-japonais? Oh, là, j'en ai pas. Hein. Faudrait que je regarde et que je le mette sur Discord, mais j'en ai pas. Bon, allez, je vous fais le quiz. Quiz time, Udis. Ja, sa, kyo no saigo no quiz desu ne. C'est le dernier quiz de la journée. Hop! Et oui, NHK Easy, je l'utilise beaucoup pour mes cours, donc je recommande fortement, évidemment. Merci la LSN, c'est vrai que... Il y a Todai sur téléphone aussi, qui a le même but
que NLC Easy, qu'une de mes élèves m'a fait connaître du coup. Donc voilà, les deux là sont bien. Allez sur Amazon Japan pour en acheter, vous aurez un large choix. Bah oui, aussi. Après, les frais de port. Faites attention, c'est comme tout, c'est à importer du Japon. Enfin, exporter. Mais voilà. Allez, on commence le quiz. Première question. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe wa? Dochi desu ka? Lequel, pardon, de ces katakana correspond à la syllabe wa? Et oui, donc oui. Donc déjà, les frais sont un peu excessifs, mais c'est normal. On envoie du Japon, c'est normal. Et deuxièmement, tous les fournisseurs ne livrent pas forcément en France. Il y en a quand même, hein. Vous en aurez quand même qui livrent en France, mais bon, voilà. Ça dépend, j'ai déjà commandé, des fois ils sont pas énormes. C'est vrai que quand c'est des livres et qu'ils sont fins, c'est au poids, hein. C'est comme en France, c'est au poids. Plus c'est léger, moins c'est cher. Et après, il y a les tailles. Bah, format lettre, format colis, comme en France. Format colis, c'est cher. Hein. Oh, Segoi Minasan, bien joué tout le monde. Presque pas de faute, c'est nickel. Segoi Ina, Mina Jose. Ça dépend, j'ai déjà commandé des fois. Oui, je relis les commentaires. Je bois un coup, désolé. J'ai un coup de barre. J'ai donné toute mon énergie aujourd'hui. La fan de J-pop que je suis galère parfois pour pouvoir acheter sur Amazon Jap à cause des livraisons. Ah bah oui. Allez, question suivante. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe un? Dochi desu ka? Un no katakana wa dochi desu ka? Kono shitsumon wa muzukashi, ichiban muzukashi kamo ni. Je pense que cette question c'est la plus difficile de toutes. Kore ichiban muzukashi ne. Je me suis trompée. Ganbare, ganbare, Mina. Muzukashi ne. La Chine est à gauche, les gens. La Chine est à gauche. J'ai un doute. J'ai mis le doute à tout le monde. Oh, ganbare. J'ai bon, mais j'ai dû réfléchir. Ah, naruhodo. Bon, au moins, vous vous êtes principalement trompés sur... le so et le un qui se ressemblent avec un seul trait, donc ça c'est cool. Et la enfin, plus de la moitié des gens ont une bonne réponse. Omedetto, omedetto. Ganbare, ganbare. Mais là, vous rassurez-moi, vous le voyez le trait imaginaire? Le trait à gauche, pardon, et le trait en haut. Est-ce que vous le voyez? Si vous le voyez pas, sur Discord, je veux vous mettre une image dans la partie katakana avec les traits et tout pour que vous le voyez. Je suis en négatif. Ganbatte, Shania, ganbare. Déjà, tsugi no shitsumon. Question suivante. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe ya? Ya wa dochi desu ka? Oui, je l'ai visualisé avant de répondre. Ah, yokatta, yokatta. Tu arriveras, c'est par habitude, lis beaucoup, va sur les générateurs de kana au hasard, tu verras, ça reviendra. Oui, sur le Discord on en a, donc profitez-en. Hein. Sur le Discord on en a. Ja, ya wa dochi desu ka? C'est lequel, ya? Hop. Oh, presque imperfect, bien joué. So. Et évidemment, il y en a qui ont confondu avec le A. C'est fait exprès, malheureusement. Mais faites bien attention. Hein. Le A et le Ya se ressemblent un petit peu. Le deuxième trait est différent. Oh, Yokoso Florian09. Merci beaucoup pour ton follow. Follow, c'était Colette. Arigato gozaimasu. D'où viens-tu? Comment vas-tu? Comment as-tu trouvé cette chaîne? Dis-nous tout. Et si tu as des questions, bah, n'hésite pas. D'ailleurs, les quiz sur Discord sont très amusants, surtout à plusieurs. Oui, il faut vraiment que j'organise des tournois. C'est beaucoup trop... C'est trop bien quand on est à plusieurs et qu'on essaye d'être le premier. Faut que j'organise ça. J'ai pas le temps, je suis désolée. S'il y en a qui veulent gérer avec moi les parties animation, n'hésitez pas. J'en serais ravie de pouvoir organiser ça. Mais moi, de mon côté, tout seul, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et donc, j'ai pas trop le temps de mettre ça en place. Mais s'il y a des volontaires, envoyez-moi des MP. Je serais ravie de voir ça avec vous. Allez, quatrième question. Quelle est la lecture du katakana? Est-ce que c'est ko, su, yu, yo?
Je veux bien un jeu du roi. Mais j'ai pas le temps d'organiser ça. J'ai pas le temps. Oh non. J'ai pas eu le temps de répondre parce que je rejoignais le Discord. T'inquiète pas, c'est une bonne excuse. C'est une bonne raison. Et du coup, Florian qui va bien, et ben, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très contente. Dodalo. Minasan wa. Oh, bien joué. Grosse majorité du chat qui a une très bonne réponse, c'était yo. Hi. Yo tatane. Yo deshitane. So desne. Un ami m'a envoyé les photos de tous les hiragana et katakana, c'est trop cool. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a, je peux mettre aussi des tableaux hein, donc n'hésitez pas. Tofu sugoi. Et quiz ga sugoi. Ah, kore totemo benni desu ne. Nanka hoka no hito ga wakatta ka wakaranakatta tte wakariyasui ne. Ja tsugi no chitsumon. Question suivante. Quelle est la lecture du katakana? Oh merde, je vous ai donné la réponse. Gomenasai, désolé. Quiz mo sugoi ichi, minna sugoi. Ah, so ne, minna yasashi sugi. Watashi ni nanka ma yasashi sugi, yasashi sugi. Honto ni. Ce spoil de Sensei, bravo Sensei. Bah voilà, évidemment, c'est au dernier moment que Gomen. Un datta ne, so ne, un datta. Du coup, ça m'a mis en stress. voilà. So ne, gomenasai. Ano, tofu-san, minna ni kotae o agete shimatta. Nanka, un te itta bakari. Ja, minna san wa kanpeki desho. Du coup, tout le monde a bon, bien joué. Ça est le lot de tout à l'heure. Shimattane. Soné. 100% de réussite. So, kanpeki. Pas de stress, il y a point S-Dream. So, GG, minasan. Ja, dare ga ichiban top 1 wa dare? Ah! Mada owatte nai. Dernière question. Quelle est la lecture du katakana Yu? J'avais oublié qu'il y en avait 6. Saigo wasurechatta ne. Waouh, incroyable, tout le monde a eu juste. Sonne. Quoi encore? Non, c'est pas vrai. Vous avez pas de preuve. C'est pas vrai. Ah non, je suis désolée. Je suis fatiguée. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, je suis fatiguée. Ah, gomen. Et du coup, il y en a quand même qui n'ont pas remarqué. C'est bon. Oh là là. On a la rediff sensei. Non, pas du tout. Il n'y a pas. Mon étudo. Itte shimatte. Gomenasai, minna. Gomen. J'essaie de t'aider, mais tu assumes. Gomen. On sait tous que ça va finir en clip, ça. Bah évidemment. Et du coup, on va montrer le résultat final. Et Maïeu est premier. Omedetto. Je veux des clap dans le chat pour Maïeu, pour Kiki et pour une personne inconnue. Qui est troisième. Bien joué, Yankita et Petit Radi, du coup, qui suivent juste derrière. Omedetto. Clap. Elle va supprimer la vidéo direct après le live. Non, je ferai jamais ça. Omedetto, minasan, omedetto, mina jozu. Vous êtes tous trop doués. Omedetto. Et du coup, ici, on a l'ordre par question. Et donc, c'est pareil, c'est Kiki. Oh, Kiki est premier et Maïeu deuxième pour les questions. Mais je sais pas du coup à quoi ça fait référence exactement. Au revoir à tous ceux qui s'en vont, du coup. Jane. Clap, omedetto, mina. Mina, sugoi jozu. Ja, shitsumon arimasu ka? Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été fait aujourd'hui? Daijoubu desu ka? Est-ce que ça va?
Je suis en position zéro, je suis devant le premier. Exactement. C'est sûrement le moyen de temps, la moyenne de temps pour répondre à peut-être, peut-être. Donc il y a dû y avoir une mauvaise réponse pour l'un de vous deux, ou alors un plus grand temps de réponse pour une des questions. Minasan, on m'est étonné. Minasan, sugoi jōzu. Bonne soirée. Matane. Mina matane. Ja, shitsumon, arimasen. Vous avez pas de questions? Ça a été pour vous? Moi, je vais la promener, mon toutou. C'est quand le prochain cours? Alors, le prochain cours, c'est jeudi 18h30. Toutes les semaines, lundi et jeudi, cours de japonais à 18h30. Je dab. Oui, pour la question précédente, peut-être. Nani. J'ai pas compris, Mayeux. Je file manger, ça va être froid. Et je passe tout à l'heure sur Discord pour le sub et ce qu'il offre en plus. Oh, sonné. À tout à l'heure, Idril. À boire, bien sûr, Kiki. Kampai. Car t'as pas beaucoup bu aujourd'hui. Tashkani. Ça a été nickel, comme d'habitude. C'est Ayokata. Bon, bah tant mieux, je suis contente. Tiens. Kokomade ii ne. Sensei, arigato. Totemo shinsetsu da. Merci pour tout ce travail. Avec plaisir. Merci à vous de me suivre. Je vous le répète, si vous n'êtes pas là, ce que je fais ne sert à rien. Donc merci à vous de me regarder. Merci tous les soirs de prendre votre temps, de venir apprendre le japonais avec moi. Je sais que vous pourrez le faire avec d'autres personnes, notamment les vidéos de Julien Fontanier. Mais ça me fait d'autant plus plaisir que vous veniez me voir, moi. Yureshi. Anthony Yureshi. Le deuxième leaderboard, peut-être le temps sur la dernière question. Ah ! Peut-être, tout à fait. C'est vrai que nous n'avons pas fait beaucoup boire, Sensei. Oui, mais Julien, c'est pas en direct. Oui, c'est vrai que Julien, c'est pas en direct. Tashikane. Sone, ine. Bon, ça va, du coup, ça a été pour vous ? Jadai, je vous sonne. Bon. Et bien, du coup, je pense que je vais pouvoir vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à tous, je vais taffer pour arriver à ne pas être largué next time. Ganbatte, Tibi-san. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser sur le Discord. Hein. N'hésite pas à rejoindre le Discord, c'est fait pour ça. Hein. Mais non, tu es très drôle et je préfère tes cours que ceux de Julien de toute façon. Ça, c'est un très bon compliment parce que Julien Fontanier, il pèse dans le game quand même sur les réseaux sociaux. Hein. Go Red Général. Oh, bah oui, ça fait longtemps, tiens. Jane, matane, ako. Matane. Mais, sonne. En vrai, Julien, c'est... Fontanier, c'est mon senpai caché. C'est le jour où il me remarque, je serai très contente. Parce qu'il pèse vraiment beaucoup. Il pèse vraiment, il fait du très bon travail aussi. Donc, voilà. Ça y est, je suis sur le Didi. Parfait. Kanpeki desu. Restez tous. Matane, qui a dit matane. Bon, du coup, on va arrêter de Général Mas. Il est en live? Est-ce que je le vois en live? Est-ce qu'il est en live? Oui, il est en live. Hop. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne semaine à vous. On se revoit jeudi à 18h30 pour le prochain cours, quatrième cours sur les katakana. On va voir les syllabes composées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Et je vous fais des bisous. Merci pour le live d'aujourd'hui, c'était super. Vous êtes des amours, je vous aime énormément. Prenez soin de vous, restez chez vous et révisez le japonais. Vous n'avez plus que ça à faire si vous ne travaillez pas. Des bisous tout le monde, bon après-midi. Non, bonne soirée plutôt. Matane. Jane, minasan. Kite kurete hontou ni arigato. Bye bye.